Eh bien bonjour à vous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio Yu-Gi-Oh! J'espère que vous avez la patate parce qu'aujourd'hui, eh bien ça va être un régal. Comme d'habitude, une équipe aux petits oignons, comme d'habitude. Eh bien vous, pour donner de la force dans le chat, voilà, vous faites archi plaisir. Plein de petits trucs à vous raconter ce soir, mais comme d'habitude, je ne suis pas seul. J'ai ma petite équipe d'habitués et de moins habitués, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais saluer les copings. Ils sont là avec moi. Nous avons Gab qui est là comme à son habitude. Comment ça va, Gab? Et je ne t'entends pas, mon frérot. Je ne vous entends pas. Non. Non, allô? Tu nous entends pas? Si, je t'entends. Allô? Volt. Je t'entends, Volt. C'est, okay. C'est le pauvre Gab qui est en PLS. Gab? Non, mais Gab, il me prank. Attends, en plus c'est des mutes. Non, mais en plus il me prank, je crois. Non, mais il est des... Hey, Volt, comment tu vas, toi? Volt, oui, bah... tu es là ce soir, comment tu vas? Je me suis remis des péripéties qu'il m'est arrivé cette semaine, pour ne pas les citer, parce qu'on va pas revenir sur les catastrophes qu'il y a eu. Mais ça va, je suis très chaud et j'ai préparé une petite chronique ce soir et je pense que ça va vous plaire, c'est assez original. Tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler du... alors, pour sans trop spoiler, je vais vous... toujours, hein, je vous raconte des histoires sur le lore. Là, ce n'est pas sur le lore, mais c'est sur certaines cartes Yu-Gi-Oh! Qui trouvent leur origine grâce aux fans du jeu et grâce simplement à vous et moi qui avons proposé. Faut pas que j'en dise plus parce okay. que là je risque de spoiler en fait. Ok, mais c'est, voilà, et ça me va parce que là tu as au moins attisé ma curiosité. J'ai vu ce que t'as mis dans le runner et franchement j'étais pas au courant. Donc je pense qu'on va passer un bon moment avec toi. Il est là avec nous. Chaque semaine, dans l'esprit, parce que c'est lui, c'est le grand maestro du quiz, c'est Yori, comment tu vas? Le maestro. Eh bien, ça va très bien, merci à toi, Zoulux, de m'inviter, bien sûr. Très content d'être ici. Il est passé de, comment je t'avais appelé la dernière fois, de saltimbanque, à grand maestro du quiz, quand même. C'est pas mal, non? C'est mieux. Tu voudrais que je t'appelle comment? Je vais peut-être baisser un petit peu mes prix pour les prochaines émissions. Merci à toi Yori, il est avec nous toutes les semaines, il gagne de temps en temps le quiz, je vais pas dire voilà, je vais rien dire d'autre. C'est Gab, est-ce que ton micro fonctionne? Ah oui. Ah oui. Oui ah, c'est bon. Si, bon. Si on t'entend. Ah carré. Bon, déjà j'ai deux choses à faire remarquer. Petit 1, il y a 88% sur le fait que Volt va porter son bonnet et ses lunettes durant toute la prochaine émission au lieu de juste pendant le quiz, puisque il a fait exprès un petit non, peu. Non, mais non, attendez. Ouais, jour férié, pas jour férié. Il y a eu un poil. Attention, la parole est à la défense. Oui, j'avoue que le lendemain, donc jeudi, j'ai pas pensé. Je vous avoue que j'étais un peu. J'ai fait ma vie. J'ai plus trop pensé à toute cette histoire. Et en fait, vendredi matin, j'y ai pensé, mais je me suis dit, mais c'est mort. Le lendemain, c'est férié, jamais je vais recevoir mes trucs. Parce que, excusez-moi, j'ai pas de bonnet de main, des lunettes de bain chez moi. Ah ouais? Y'a pas de piscine à Clermont-Ferrand? Ma maison est peut-être gigantesque, évidemment, mais je n'ai pas encore de piscine chez moi, et désolé. Du coup, non, j'ai pas tout ça, malheureusement. Mais semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, j'arriverai en tenue... incroyable de bonnet de bain. Écoute, le conseil d'administration de Radio Yu-Gi-Oh! Incroyable. Va débriefer sur ton cas et je te tiendrai au courant. Après, moi, ça me dérange pas de le porter pendant l'émission. Au moins les lunettes. Fais attention parce que si c'est Volt l'accusé, je vous rappelle que c'est moi le juge ici. Hein. Donc, ah, oula! Attention! Attention! J'ai pas le droit à un avocat? Je sais pas, je réfléchis. Si tu pouvais prendre une personne en avocat, tu prendrais qui? Je prends Doc. Je pense ouais, que ça c'est pas mal. C'est une bonne option. Je pense qu'il est bon, je pense qu'il est chaud. C'est une bonne option, je pense que c'est un très bon choix. Mais bon, on parle d'avocat, on parle de juge, mais vous inquiétez pas, ici c'est bon enfant. On va essayer de passer le meilleur moment possible autour de Yu-Gi-Oh! Et ça tombe bien, on a plein de choses à vous dire. Et notre envoyé spécial de Thaïlande vous a prévu une petite chronique à pas piquer. Dernier temps, tu vas nous parler de quoi, Yori, aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de cartes de l'animé Bien Broken Leur Mère. Ça veut dire quoi?
carte de l'animé fumé. Bien broken de leur mère. Je vous ai fait leur mère, bah oui, leur maman quand même. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus? C'est une semaine très maternelle hein, sur ta chaîne Twitch. Alors, Zul, avant qu'on commence une quelconque chronique, juste une question. Est-ce qu'on peut avoir le retour de notre ouais, côté? Ouais, c'est ce que j'allais te dire aussi. Oh sur Discord. Ah oui, ce sera mieux, effectivement. Des petits oublis, je suis désolé. J'étais dans la sauce aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a commencé 5-6 minutes en retard. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, vous n'êtes pas obligé de m'excuser. Voilà, mais je tiens quand même à vous présenter mes excuses. Non, mais je parle au chat, Yori. Je parle au chat. Non, tout va bien. Tu vas voir que dans le chat, tu vas faire OK. Justement, il y en a un ici qui parle beaucoup et c'est l'heure de sa chronique. Je pense que c'est l'heure d'écouter ce que Yori a à nous raconter. Yori, on t'écoute, t'as prévu de nous parler des cartes de l'animé Bien Fumer Sa Mère, c'est ça? Bien Fumer Sa Mère, voilà, c'est ça. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, du coup, Yori? Alors, vous savez que dans l'animé, des fois, il y a des cartes qui n'existent que dans l'animé, et des fois, il y a des cartes qui existent, bel et bien chez nous, mais qui n'ont pas le même effet dans l'animé. Et il se trouve que, d'ailleurs, il n'y a pas forcément que l'effet qui change, on va pouvoir le voir. Exemple, les dieux égyptiens, par exemple. On sait que dans l'anime, ils ont un milliard d'effets et que quand ils arrivent en TCG, en fait, leurs différents effets se font transformer en cartes magie ou pièges qui permettent Exact. Il y a même carrément des cartes qui sont passées de magie à piège ou piège à magie, ça peut arriver aussi. Et effectivement, eh bien, on va regarder des cartes, alors certaines que vous ne connaissez probablement pas. Pas beaucoup, parce que j'ai piqué un petit peu de tous les animés, mais il y a des cartes que vous connaissez bien, et même notamment vous, vous trois. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par une carte que je pense même ceux qui ont vu tous les animés ne connaissent pas? C'est possible, c'est un peu le thème. Mais nous, la première carte, s'il te plaît, Zul. Ouf, elle est un petit peu grande. Elle est un petit peu grande, on va la mettre comme ça, regarde. Bon, je vous ai fait des petites proxies. Ouais. Alors... Puisque là, la carte qu'on affiche, elle n'existe pas. On est d'accord. Hein, Celle-là n'existe pas du tout. Okay. Alors en fait, ça, c'est une carte qui est apparue vraiment dans le fond d'un épisode de Yu-Gi-Oh! Zéal. Ouais. Mais qui est inspirée, évidemment, qui est un hommage de certaines cartes que vous pouvez peut-être reconnaître. Donc sachez qu'évidemment, pour les noms aussi dont on n'a pas de traduction française, j'ai dû traduire moi-même, bien sûr. Donc ce sera le maître ultime du chaos, maître du commencement et de l'achèvement. Donc bien évidemment, ça vous rappellera le BLS, hein, Soldat de Lustre Noir, et puis le Dragon Empereur du Chaos. Donc c'est un monstre un petit peu dans cette veine-là. Et pour toute cette série, je voudrais que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez, notamment ce qui, comment dire, de me donner votre avis de si ça existait en vrai. Alors cette carte, non invocable, normalement posée... je vais y arriver, excusez-moi, c'est un peu la fatigue, il faut se chauffer un petit peu. Il est 1h du matin, c'est ton excuse. C'est vrai qu'on n'a pas la même heure. C'est vrai. Donc tu vas nous lire l'effet de l'animé. Voilà, bon je vais vous le faire vite, hein, pour certaines cartes, on va pas se faire tous les effets en détail. Donc on doit en gros l'invoquer depuis la main en bannissant un guerrier lumière et un démon ténèbre depuis le cimetière, et lorsqu'elle est spée, en gros les effets ne peuvent pas être activés. Mais c'est son véritable effet qui va nous intéresser, puisqu'on peut payer 1000 points de vie, et l'effet ça va être bannissez toutes les cartes dans la main, le terrain et le cimetière de votre adversaire, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte bannie par cet effet. Voilà. Ah oui, la fameuse balance. Nul. Prochaine carte, ça ne sert à rien de... Oui, bah non, c'est juste beaucoup trop pété, je pense. C'est un petit peu énervé, et ce n'est que la première carte. Hein. Je vous ai gardé des belles pépites. Ouf. Alors, on va peut-être pouvoir passer à la prochaine carte, que je pense beaucoup auront... Oh, c'est Gabriel! On l'a connu. C'est Gabriel. Alors, mais il me semble, Gabriel... Alors, Gabriel, je ne sais pas si tu as vu cette carte dans l'animé, ça nous vient de Duel Monsters, il me semble pas. Alors, non. C'est pas celle avec l'arc de Darts? C'est effectivement le monstre ultime de Darts. Tout à fait. Et il se trouve que, bon, il est invocable uniquement via Oracle Cochonorose, parce que c'est le deck dans l'animé, bref, on s'en fiche. Mais si cette carte est invoquée, envoyez toute votre main au cimetière, et aussi vous perdez tous vos LP. Ah! Ah bah oui, délire. C'est pas très bien de l'invoquer du coup. Sauf que, en effet, vous ne pouvez pas perdre le duel. Et cette carte ne peut pas déclarer une attaque, sauf si vous envoyez les 10 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Non, mais regarde l'attaque et la défense qu'il a. Ah, infini.
Infini, tout à fait. Non, en vrai, Zul, moi je propose qu'à partir de maintenant, on utilise cette version lors du scellé. Ça me paraît vraiment être une bonne idée, Gabriel. Donc elle te fait perdre tous tes points de vie dans l'anime, elle te fait perdre tous tes points de vie. Par contre, ça veut dire que si la carte meurt, t'as perdu le duel, on est d'accord. T'as perdu le duel, voilà. C'est en plus carrément dans le duel où ça arrive, les deux se retrouvent avec zéro point de vie, mais toujours en vie grâce à des effets. Enfin bref, c'est génial. Mais attends, il y a un truc qui est terrible. Je te coupe, mais genre le mec il invoque le serpent divin, il perd tous ses points de vie, infini d'attaque, il peut pas perdre le duel, le truc il est incroyable. Mais si le mec il fait, bah j'active au match torrentiel. Ah bah fin du game. Carte suivante. Fin du game. Alors c'est un esprit de la terre immortelle que j'ai choisi. Évidemment, j'ai dû faire des choix. Hein. On a une quinzaine de cartes là ce soir. Évidemment qu'il y a plein de cartes complètement pétées dans l'anime. Ça me dit un truc, d'attaque. Ou très bizarre. Évidemment, j'ai fait des choix un petit peu plus originaux hein, que juste les dieux égyptiens ou le château de Stromberg, des choses comme ça. Mm-hmm. Wirakocharaska, c'est un peu l'esprit de la terre immortelle ultime. Wirakocharaska. Eh oui. C'est un avantage d'avoir vu l'animé, c'est comment tu sais comment prononcer leur nom. Il a effectivement un seul point d'attaque et un seul point de défense. Ah oui. Ce qui est très faible, bien sûr. Mais est-ce que c'est si faible que ça quand son dernier effet, c'est une fois par tour, vous pouvez sauter la battle phase de ce tour, et si vous le faites, bah, les points de vie de l'adversaire deviennent 1. 1. Et après tu fais étincelle. Ou quasi. Donc bon, sachant que c'est pas un monstre très difficile à invoquer, hein. Bon, il faut une magie de terrain et d'un monde de l'animé pour qu'il ait ces effets-là. Mais enfin, c'est une bête ailée, ténèbres, c'est pas très dur. Et effectivement, tu fais Sparks derrière et c'est fini. Voilà. Salut mon pote. C'est pas trop mal. Alors, c'est une carte qui existe, hein, mais qui a un effet très différent. C'est quoi son effet? Oh bah, je peux te l'afficher si tu veux. Alors là, tu me mettrais Gucci là si tu m'affichais cette carte. C'est incroyable. L'effet Wirakocharaska, voilà. Évidemment, du célèbre l'aigle. Oui, bien sûr. Mais on en avait déjà parlé des esprits de la terre dans Radio Yu-Gi-Oh! En expliquant que c'était inspiré des lignes de Nazca, effectivement, qui sont les empreintes qu'on a retrouvées sur la Terre. J'avais aussi perdu un point. Je m'en rappelle très bien parce qu'il y avait génial. Donc il y a quand même une différence entre cette carte qui est dans notre TCG et du coup, cette carte qui est la version de l'animé, quoi. Ah bah nous, nous elle est plus forte. Oui. Puis en fait en vrai, elle gagne de l'attaque, il peut gagner jusqu'à 3000 d'attaque, c'est extrêmement différent pour le coup. Ok, bien plus puissant. Ensuite, nous pouvons passer à la prochaine carte. Ah celle-là, la connaissez par cœur. Gumblar. Attends, pardon, Volt ne connaît pas Gumblar? Sache que tu as esquivé une expérience très traumatisante. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie du Yu-Gi-Oh que j'ai pas connue. Hein. Moi, avant 2019, il y a des trucs que j'ai pas connus. Ce monsieur, tu vois tous les liens bannis, là, Summon, Sorceress, Firewall, etc. de l'époque. Lui, c'est un petit peu leur chef. C'est-à-dire que lui, c'est un peu l'entité même de la banlist, en fait. Voilà. Ah ouais Voilà, c'est la véritable version. En gros, voilà, c'est un des liens topologiques et qui pouvait... End loop, donc retirer des cartes de la main de l'adversaire, une ou deux, je crois que c'était. Ouais, plutôt 3 ou 4. aussi, ouais, effectivement. Mais voilà, c'était une saloperie. Mais sachez que dans l'anime, eh bien, on peut faire pire. Eh bien, regardons tout de suite la carte de l'anime qui nous dit, donc toujours de plus monstre effet pour l'invoquer. Premier effet, si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que Gumblar est sur le terrain et que vous avez une carte en main, détruisez toutes les cartes dans la main de chaque joueur. Oui, pourquoi faire dans la moitié, mesure détruis tout, ça me paraît plus simple. Hein. Deuxième effet, une fois par tour, si cette carte est liée extra et que votre adversaire a au moins une carte dans sa main, vous pouvez détruire toutes les cartes dans la main de votre adversaire et aussi infliger 3000 de dommages. Ah oui. Liée extra, c'est dans la zone extra de ton adversaire. C'est ça? Non, l'extra, c'est quand tu fais un U. C'est quand tu fais un extra link. Et en fait, tous les monstres qui font partie de cette chaîne de Poliens sont considérés comme étant liés extra. Voilà. Ah, c'est un stade qu'on n'a que là-dedans.
Et c'est pour ça que c'est le topologique du lien extra. Bon, et d'ailleurs, oui, l'effet de burn, je complète, effet de burn qui dans l'animé ne peut pas être annulé. Oh oui, parce que voilà. Non, mais en tout cas, c'est bien que cette histoire de U ce soit pas faisable dans la vraie vie, parce que vraiment, vous imaginez, ce serait ouf quoi que ce soit faisable et tout. Non, c'est dans nos rêves les plus fous, ça. Ah, incroyable, Gab, incroyable. Bah, d'ailleurs, il a un effet en plus hein, dans l'animé, puisque tant qu'il est lié extra, les monstres lignes que tu contrôles ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Bah oui, parce que ouais, bon, sinon. Vas-y, go, mais ça, c'est écrit sur la tranche. C'est écrit sur la tranche. C'est bien parce que chaque fois qu'il y a un effet, Jerry, il nous rajoute un truc en mode. C'est comme si ça m'avait qui créait la carte ultra fumée et qu'un mec derrière il proposait encore un effet. Non, rajoute ça. Non, parce que bon, c'est jamais d'ailleurs, tant qu'à faire. Hein. D'ailleurs, Volk, c'est moi qui ai fait Dragoon en fait, c'est pour ça. Merci mon pote. Tout s'explique. Alors, on a vu quelques petits boss monsters, on va pouvoir passer un petit peu plus rapidement sur des cartes qui ont beaucoup moins d'effets, ouais. Qui sont notamment des magies pièges. Donc, la classique, hein, je vous l'ai mise vite fait, vous la connaissez un peu. Carte du sanctuaire dans l'animé, carte d'inviolabilité chez nous, qui simplement dit chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Je rappelle, ça va, c'est pas broqué, ce sont des cartes de l'animé qu'on affiche, ce ne sont pas les vrais effets, hein. C'est le principe de la chronique pour les gens qui arrivent. Est-ce que tu veux rigoler, mais juste vite fait la carte en vrai, parce que la carte en vrai, elle est pourrie. Parce que tu bannis toutes les autres cartes que tu contrôles et dans ta main, minimum 2, minimum 1 de chaque, ça, et du coup, jusqu'à avoir 2 cartes dans ta main. Donc on est quand même pas au même niveau. Ah oui, c'est littéralement injouable. Quoi, c'est... Elle a été un peu nerf quand même, la carte. Hein. Un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Ensuite, un piège. Tiens, un piège aussi, il sera un petit peu dans la pioche. Un piège de Kaiba, la balance de puissance, qui nous dit que si vous n'avez aucune carte dans votre main, vous l'activez, votre adversaire défausse la moitié des cartes qu'il a en main, et vous piochez ce même nombre. Oh, mais c'est une bonne carte, ça. Non, bah pose 5, hop là, l'adversaire pioche une 6ème carte, tu l'actives. Tu pioches 3 et défausse 3, voilà. Oui, franchement, je vois pas le problème. Carte suivante, celle-là, vous allez bien aimer aussi. Mais Yuri, attends, juste, les cartes comme balance de puissance ou truc du sanctuaire, là, on est d'accord que ça permet quand même de gagner des duels dans l'animé. On est d'accord que c'est pas juste la carte qui te permet de revenir un petit peu dans le game, mais de perdre la carte du sanctuaire était une carte de Yugi, donc de temps en temps, oui, la balance de puissance, une carte de Kaiba, et il a perdu le duel, voilà. C'est juste... Ah, il faut être talentueux pour se perdre avec cette carte. C'est scripté. Cette carte-là, Parchemin Piri Rice, elle serait particulière, vous allez comprendre pourquoi. Ajoutez un monstre avec 0 d'attaque, puis votre deck à votre main. Si vous l'invoquez ce tour, divisez par 2 vos points de vie. Bon, pour vous rappeler, très bien d'attaque ont Ash, Veiler, Stog. Oui, 1500, c'est ça, non ? Je vous donne un petit indice. Voilà. Ils ont 1500, il y a tellement de monstres qu'il faut l'invoquer. D'accord, il faut l'invoquer ce tour. Ouais, il y a tellement de monstres qui ont 0 qui sont forts. Ah oui, c'est parce que du coup, tu vas la chercher. Et vu que tu l'invoques même pas, tu prends même pas le malus derrière, quoi. Voilà, c'est par contre, je tiens à dire, dans le chat, il y a quand même quelqu'un qui nous a dit que la carte la plus puissante pour lui qui venait de l'animé, c'était la carte d'équipement bonnet de bain. Effectivement, on le verra en œuvre la semaine prochaine. Elle est très forte dans l'animé, alors on va voir si dans la vraie vie elle fait à peu près la même chose. C'est une carte d'équipement, somme toute, des plus très compliquée à obtenir, c'est pour ça qu'elle ne l'est pas actuellement. C'est un item très très rare. N'empêche, la carte qui te permet d'aller plutôt ça. C'est quand même pas mal. Oh oui, mais j'avais mal compris la magie, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est passionnant. D'ailleurs, bonnet de bain, c'est un peu comme le guet de tout à l'heure, sauf que c'est l'effet continu, c'est vous ne pouvez pas gagner le duel. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas gagner le quiz. Non. Tu t'es trompé de mots. Ah ouais, d'accord. Alors, pour la prochaine carte, on va les trahir parce qu'en fait, c'est surtout pour vous mettre un petit contexte par rapport à la carte qui viendra juste après. Zoulou, je te laisse l'afficher. C'est une magie d'équipement, je connais pas du tout. Nibelung. Alors, en gros, le monstre équipé peut pas attaquer, il peut pas être sacrifié, il peut pas changer sa position de combat, il peut pas activer ses effets. Mm-hmm. Et en gros, durant ta draw phase, si tu contrôles l'anneau, tu vas piocher 2 cartes au lieu d'une, et si tu pioches un monstre parmi ces cartes, tu dois en défausser 1. Oh, c'est stylé. Mais surtout, voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est un petit effet plus ou moins négatif pour toi, ça dépend du deck. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment capitaliser sur cet effet? Eh bien, dans Duel Monster, Siegfried a la réponse. Tu peux mettre la carte suivante, Zulu. Il en équipe 3. Le trésor de Nibelung nous dit activer un anneau du coup depuis le deck sur le terrain de l'adversaire à un monstre qu'il contrôle, puis piocher 5 cartes.
Pourquoi c'est pioche 5 à la fin, le monsieur? Mais c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Il y a des mecs qui créent des cartes, et là, il y a un queumé derrière, il fait « Eh oh !» Viens, on pioche 5. Moi, j'ai une autre explication, Vol, c'est le scénariste qui fait « Bon, merde, il a plus de main. » ouais, vas-y, ils le verront pas. Ça passe vraiment comme une lettre à la fin. Le pioche 5, il a rien à foutre là. Ça me déjà, activer une carte depuis le deck, bon, bah déjà, c'est sympathique, tu vois. Mais en t'es derrière, ça devrait être un malus, tu vois. Non, pas du tout. Puis piocher 5 cartes. Moi, j'imagine bien le scénario dans lequel il était, c'est-à-dire que l'adversaire avait un monstre impassable, absolument broken. Le mec avait 0 en main, il top deck ça. Ton monstre peut plus rien faire, je pioche 5, allez, vas-y, là. On est super. C'est incroyable. Bah, d'ailleurs, pour la prochaine carte, est-ce que vous aimez bien appeler par la tombe? Oui. Oui. Oh, non, elle me casse les couilles cette carte. Est-ce que vous aimeriez bien avoir mieux? Oui. Non. Zulu. Ça dépend. Moi, oui à tout, on parle de cette carte limitée à 1 actuellement dans le jeu, tellement elle est forte. Tu te la prends. Polyvalente, elle te permet de défendre, d'éviter de te prendre des entrapes. Je veux bien mieux. Bonne description. Mais est-ce que tu veux un petit peu plus versatile, quoi, comme magie jurassique? T'as quoi à m'offrir? Banne le deck. Alors. Fermeture d'effet, carte de Jix. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, annulez l'activation si vous faites détruisez la carte. Mais c'est une bonne carte. C'est pas mal. Non, ouais, ça aura un petit impact. Ouais, pas mal. Carte de Jaden, hein. Une carte de Jaden qui non, utilise bah, dans un des derniers duels, mais. On se demande comment c'est le héros, mais... Oui, c'est Gamma. C'est Gamma, mais sans le driver. Sans le driver, ouais. Sans la condition aussi. Et c'est Gamma en mieux. Tu veux savoir pourquoi aussi. Est-ce que tu veux savoir pourquoi c'est mieux que Gamma? Dis-moi. Parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les contraintes de Gamma. Bah, Zulu, mets-nous la carte suivante. Oh là, c'est un truc qui combatte avec jouer non, elle est tutorisable. Depuis le deck et de piocher 5. Elle est tutorisable. Elle est tutorisable. Une autre carte de Kaïna, Sanctuaire du sort. Lorsque vous activez cette carte, chaque joueur peut ajouter une magie depuis son deck à sa main. Hein, et puis bon, il y a un petit effet en plus qui cause vraiment aucun problème de ruling. Tant que cette carte est face réto sur le terrain, toutes les magies peuvent être activées comme des magies jurapes. Toutes les activations de magie deviennent de Spell Speed 2, tout simplement. C'est marrant comment Gab, instantanément, il trouve le truc broken qui va avec ton exemple. Go Dark Ruler No More, c'est parti, go. C'est vraiment... C'est pas mal. Ça me paraît une bonne option. Ah, j'ai mal lu. Ah ouais, toutes tes magies normales passent en jeu rapide. Parce qu'en fait, Volt, il se disait, lui, ah putain, c'est trop fort avec Super Poly. C'est déjà une Spell Speed 2, Super Poly, Volt, en fait. Si tu veux tuto Super Poly... Ou plumeau de Damarpi par exemple, ça marche aussi. Quoi. C'est ce qui est bien, c'est que tu vas tuto ce que tu veux. Donc tu peux avoir absolument tout et n'importe quoi. Ouais, le mieux c'est le tuto Etruned, non? Vous savez quoi? C'est pas suffisant. Moi je veux avoir accès à plus de choses dans mon deck. Ouais. Ok. Sous la carte suivante. Oh, carte suivante. Storybanger rapide, lol. Oula, c'est quoi ça? Sabathiel. Une carte qui existe, hein, en vrai, qui a été adaptée. Lorsqu'un Kuribo ailé est détruit, vous pouvez ajouter cette carte depuis votre deck à votre main. Je vous laisse deviner qui joue cette carte, bien sûr. Kaïba, non? Ouais, bien sûr. Je pense bien, ouais. Lorsque vous activez cette carte, du coup, payez la moitié de vos points de vie, échangez cette carte avec une carte de votre deck ou cimetière. Oh. Si vous activez la carte, vous reprenez Sabathiel en main, après. Ah bah d'accord, oui. Et après avoir échangé des cartes trois fois avec cet effet, l'effet change, et ça devient cibler un monstre face recto sur le terrain, multiplier son attaque par le nombre de monstres contrôlés par votre adversaire jusqu'à la end phase. D'accord. Tu possèdes 4 monstres, mon monstre passe de 2000 à 8000. C'est ça, une carte qui vient de Full Metal Alchemist directement, et on peut voir un peu le crossover qui est un peu... Ouais, qui est bien fait, non. Bah c'est, j'active, je tuto un out à ton board, ok? Ensuite, je la reprends, je tuto mon starter, je la reprends, bah je tuto un truc, vas-y, j'ai gagné. Game 2. oui, bonne carte. Plutôt pas mal. Carte plutôt balanced, comme on dit chez nous. Tu comprends pas, ça demande à Kuribo d'être détruit, c'est forcément nul. Oui. Bon, allez, on va pouvoir entrer dans notre phase finale de cette chronique avec les quelques monstres que je vous ai gardés pour la fin. Ouais. Le prochain, ça ira assez vite parce qu'il y a un effet continu en fait qui m'intéresse. Mais là aussi, c'est un petit peu vénère, quoi. Vous connaissez Au-delà de l'Utopie, c'est une des évolutions d'Utopie. Et dans l'anime, il y a un effet continu qui dit les cartes que vous contrôlez ne sont pas affectées par les effets cartes de votre adversaire.
Ah. Je pense qu'on a trouvé un bon remplaçant, un bon concurrent pour la meilleure target à Waking the Dragon. Ah ouais, c'est vrai, ça, ça serait drôle. Cette carte-là, de base, elle est jouée parce qu'elle met l'attaque des monstres adverses à zéro, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas mal de rendre tout le monde inaffecté, franchement. Ouais. Why not? C'est même pas tous les monstres, c'est vraiment toutes tes cartes, quoi. Ah, tout, absolument tout ce que tu contrôles. Mais, ça va, on peut faire encore mieux. Parce qu'il y a un monstre. On peut faire encore mieux. Il y a un monstre qui n'est pas juste un monstre, c'est également un judge. Parce qu'il peut dire, tu vois, le game state, le jeu, eh bien, je vais le rembobiner un petit peu. Oh non. Il y a une carte qui va remonter le temps. La carte qui remonte le temps, tu sais. Vous êtes pas prêts parce que nous allons effectivement parler du dragon du temps. Tu peux afficher le néo-dragon Tachyon qui fait littéralement. Si vous avez envie, recommencez le duel. Ah bah on est pas loin. Puisqu'une fois par tour, tu peux détacher un matériel de cette carte, annuler les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain jusqu'à la NFA. Ça, c'est peu ou prou l'effet qu'il a en vrai. Et aussi, annuler les effets de toutes les autres cartes. Activez ce tour, et si vous le faites, renvoyez-les dans l'état dans lequel elles étaient au début du tour. Après avoir activé cet effet, vous seul pouvez choisir quelles cartes sur le terrain peuvent activer leurs effets. Oui, puis c'est pas du tout long et pas du tout difficile à expliquer comme effet. Voilà, c'est extrêmement simple, il n'y a aucun souci de ruling. Tu laisses l'adversaire faire toutes ses loops Dragon Link, t'actives l'effet. Allez, on va repasser 15 minutes à jouer, c'est parti. Moi, quand je vois ça, je comprends pourquoi ils ont laissé VFD pendant un petit moment. En plus, alors là, c'est pas un effet rapide, mais il y a une carte dans l'anime qui permettait d'utiliser cet effet pendant le tour adverse. Et également, ne pas oublier qu'après, toi seul décides quelle carte sur le terrain peut activer son effet. Ouais, c'est fort. Donc, t'as le droit de juste dire, tu vois ton adversaire, tu le regardes dans les yeux, tu fais non. Non, arrête. Non, il faut s'arrêter maintenant, monsieur. Maintenant, il faut stopper. C'est vrai. Bah, allez. Il nous en reste deux, je crois, Yuri. Deux, la prochaine va nous introduire, en fait, au dernier, parce que j'ai besoin de vous contextualiser la facilité d'invocation de notre tout dernier boss monster. Et le prochain monstre, eh bien, c'est la version animée d'un monstre qui est banni. Et vous allez le trouver un petit peu différent. Je vous laisse l'afficher, Zoé, je vous laisse faire vos commentaires. Alors moi, je le trouve surtout très joli, hein. Oh, oui, mais sorcier, c'est pas quelque chose qui vous choque. Pourquoi c'est pas une pendule, frère? Exactement. En vrai, alors je peux l'afficher, je l'ai juste ici. En vrai, le sorcier astrographe est un monstre pendule. Ah, je l'avais jamais vu en fait. Je voulais pas le actuellement. C'est le frérot de ouf. J'ai tué des lava golem avec pour ceux qui connaissent l'effet de la carte. Tu as fait quoi? En gros, en très bref, ok. C'est une carte qui dit. Si t'as une carte que tu contrôles qui est détruite, tu peux l'invoquer spé et aller tuto un monstre qui a été détruit ce tour-ci. Du même nom, ouais. Voilà. Un monstre du même nom qu'un monstre qui a été détruit. Et du coup, en gros, bah, dans certains scénarios, enfin, normalement, ça te permettait d'aller reprendre des pendules, parce que c'était un deck pendule. Sauf qu'une fois. Et surtout, le magicien pendule. Ah ouais, j'ai tué un lava golem avec et c'était vraiment, vraiment très drôle. Vraiment très drôle. Oh, c'est débile. Parce que évidemment, le deck magicien pendule détruit beaucoup ses cartes, c'est pour ça. Sauf que, donc voici, voyons la version de l'anime, je me la remets. Donc, plus ou moins, l'effet est un petit peu différent. En gros, c'est si t'as des cartes que tu contrôles qui sont détruites, tu vas spé astrographe depuis la main et en fait, tu remets les cartes détruites là où elles étaient, dans les mêmes zones. Mm-hmm. Et surtout, tu peux ensuite sacrifier ce monstre, tu bannes. En gros, donc Starving Venom, Clearwing, Dark Rebellion et Odice depuis ton deck, extra deck, terrain et ou cimetière. Oui. Donc les 4 dragons des dimensions. Et tu vas spé Zark depuis l'extra deck. Mais à quoi ressemble Zark? Attends, on va déjà afficher le vrai Zark. On va afficher le vrai Zark, vite fait. Je dois l'avoir, il est juste ici. Vas-y. Voilà, c'est une fusion pendule qui est un peu la fusion de ces 4 dragons-là. Bon, qui est plutôt sympathique, ma foi. Mais dans l'anime, elle est un petit peu plus spéciale. Je vais vous laisser faire... Attends, mais c'est quoi ce qu'on fait dans la vraie vie? What? La carte arc-en-ciel. C'est un zèbre. Le monstre, il fait fusion synchro Xyz pendule. Magique. Exactement. Il manque plus que le piège, quoi. Zark, dans l'anime, est littéralement un mix de tout. Donc, c'est censé être le point culminant des 4 méthodes d'invocation.
Mais attends, tu sors ça en duel, ton adversaire il saigne du nez, non, automatiquement. C'est possible. Ou alors, mais attends, il fait, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est toi qui te fais saigner. Alors là, vous êtes pas prêt. Hein. Vas-y, explique-nous. Pendule, tu peux sacrifier un monstre roi suprême pour le spé depuis la zone pendule en ignorant ses conditions d'invocation. D'accord. Sinon, son effet de monstre qui est un petit peu long. Hein, si vous croyez qu'il y a des cartes pendules qui ont beaucoup de texte, attendez. Cette carte est bien évidemment toujours traitée comme un monstre fusion, synchro et exise, et a un rang égal à son niveau. Uniquement invocable avec une sorcière. Parce qu'il n'a pas de rang. Oui, c'est un exise, mais il a un rang. Uniquement invocable donc avec le sorcier astrographe. Si cette carte est invoquée spécialement, et attention parce que là vous allez comprendre qu'il n'a pas été utilisé dans un duel en 1v1. Ah. Vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Puis, chaque joueur, dont un ou plusieurs des monstres ont été détruits par cet effet, reçoit des dommages égaux à la somme des attaques que les monstres détruits avaient sur le terrain. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où cet effet est activé. Hein. Quand même, on est civilisé un petit peu. Ils l'ont rendu balance. Vous comprenez que ça a été utilisé contre plusieurs joueurs. Voilà, c'est un duel 1v11, basiquement. C'est vraiment un V11, hein. Pas tous d'un coup, mais progressif. D'accord. Tant que des monstres fusion, synchro et Xyz sont bannis et ou dans le cimetière, cette carte ne peut pas être détruite. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets de cartes qui vont lui faire quitter le terrain. Okay. Tous les monstres vus contrôler ne sont pas affectés par les effets de monstres fusion, synchro, Xyz de votre adversaire. Mais là, on est dans les prolongations, là. On est d'accord que le mec, il invoque sa carte, il finit l'effet, fin de l'épisode, épisode suivant. Ouais, quoi, et attends, parce que t'es pas prêt pour les pénalties. Hein. Mais d'abord, on finit. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, tu peux spéer maximum 2 monstres roi suprême du dragon depuis ton extra deck en défense. Et donc, les pénalties, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes à sa main, sauf durant la draw phase, vous pouvez détruire les cartes. Ah oui. Clairement, si l'adversaire va tuto, tu fais non. Ouais, stylé. Pas mal. Après, il a que 4000, quoi, déçu, quoi. Ouais, que 4000, hein, pas de soucis. Pas mal comme petite carte, Yori. Oh, le texte, il est gigantesque, quoi. Texte absolument incroyable. Il m'a épuisé, le monstre. La vie, il m'a retiré de l'énergie. Il m'a fatigué, le roi suprême, là. C'est quoi? Oh putain, je vais certainement perdre le quiz là, oh mon dieu. Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan de toutes ces cartes et dire quand même que l'animé, c'est quelque chose. Hein. C'est un autre monde, c'est une autre... C'est très bien résumé. Une question du coup, tant qu'on parle de l'animé, Zul, toi par exemple, est-ce que ça t'intéresserait, imaginons, de vivre dans l'univers de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi, si je devais choisir un univers dans lequel je pourrais me téléporter, tu vois, un univers fictif, ce serait l'univers de cette franchise. Est-ce que l'univers de Yu-Gi-Oh! Vous trouvez que c'est un univers où il serait bien d'exister parce qu'il y a ces trucs-là où, bah, t'as le héros, genre, il est sur-cheat, si t'es pas le héros, bah... Et personne, quoi, un peu, non? Vas-y, mais pour régler n'importe quel conflit, il faut faire ça, un duel de monstre, ça suffit, là. On m'en joue au Burger King. Non, au McDo. Duel de monstre. Ça m'aurait beaucoup aidé. Et tant gamin, parce que dans l'animé, tu sais, Yugi, il est tout frêle. Des fois, ses potes, ils se font fracasser la gueule par des montagnes. Et il est là, on va régler ça en duel de monstre. Mais bien sûr, le mec, il a aucune chance. Et bien sûr, il fait, oui, on va régler ça en duel de monstre. Alors qu'il peut juste lui mettre une tarte et terminer, quoi. Genre, ça, quand t'es un petit frêle, ça aide. Mais après, est-ce que j'aimerais vivre dans l'univers de Yu-Gi-Oh? J'aimerais vivre au Batailleville, ça c'est clair. Mais j'aimerais participer à un Batailleville, quoi. Mais, toi, Volt? Voir si c'est pas avoir la même coupe de cheveux que les héros, ça suffit. Ouais, les mêmes coupes de cheveux. Attends, ça, ce que tu dis. T'as quelle semaine prochaine, t'auras un bonnet de bain, frère? À toi. Yori? En vrai, tu sais, quand tu vois tous les problèmes qu'il y a, t'as l'impression que tu vas crever toutes les 3 semaines à cause de toutes les menaces, c'est un peu chaud. Ah ouais, pour qu'il y ait un psychopathe qui démarre toutes les 2 semaines avec un deck bizarre, ouais, c'est bon. Soyons très honnêtes, Gab, tu serais dans le monde de Yu-Gi-Oh! Ouais. Tu ferais une rupture d'anévrisme en voyant les deck builds. Hein, oh putain, le... C'est pas faux. Un chouïa moins dans Vrains, parce qu'il joue un peu plus de trucs normaux, mais bon, même là... Gab. Non, bah écoutez, ouais, moi aussi c'est comme Volt, hein, moi c'est juste que voilà, les coupes de cheveux qu'ils ont, c'est ridicule. C'est Peter qui se fout moi, je reste dans quelque chose de plutôt sobre. Ferme ta grande bouche. Oh, c'est haut.
vous allez régler ça en duel, messieurs. Oh ouais, ça va, ça va se régler ça en duel de monstre. Et on est parti. Let's go. J'ai une petite idée de savoir qui va gagner, alors attention là. Moi je joue un deck plot armor, donc je ne peux statistiquement pas perdre. C'est vrai. D'accord. Et je pioche 6 à la fin, tout va bien. Tout va bien. Écoute, merci à toi Yori pour ta chronique sur les cartes de l'animé. Petite piqûre de rappel, hein, comme quoi des fois quand le héros il est dans la panade, je crois en l'âme des cartes. Possède une carte qui en vaut 6, mon pote. Non, même 7 parce que... Non, oui, 6. Et six. on n'a pas présenté tant de cartes de héros, d'ailleurs. C'est vrai. Mais il y a une carte, donc, qui va lui tuto une autre, plus draw 5, c'est plutôt pas mal. Alors que toi, t'es très content quand tu arrives à activer et résoudre pot d'extravagance. C'est la vie. On va continuer, justement, avec les histoires autour des cartes un petit peu inventées, voire dessinées. Je crois que c'est Volt qui va nous présenter tout ça. Volt, tu peux nous expliquer ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Ouais, pas de souci. Alors déjà, juste, je vous raconte l'anecdote de comment je suis tombé dessus. Je cherchais, en fait, des histoires de lore. Et en fait, je suis tombé sur ça. Et je suis tombé sur une histoire incroyable de Yugi. Je pense que, bon, peut-être certains la connaissent ou pas. Je vous la raconterai à la fin, mais du coup, je vais vous raconter que certaines cartes de Yugi, en fait, elles viennent tout simplement de vous et moi. Est-ce que, déjà, petite question, vous kifferiez avoir une carte à votre effigie ? Mais tous les jours, gros, tous les jours ! Une carte harpie à mon nom, mon gars, c'est mon rêve ! Ça serait incroyable, non ? Incroyable, j'en profite pour rebondir sur le fait que, en vrai, c'est assez serré parce que 50% des gens sont chauds. Il y a eu un poll, Zoul, par rapport à la question qu'on s'est posée. Effectivement, c'était du 50-50. C'est du 50-50. Ils sont chauds, pas chauds. Voilà. Chauds, pas chauds. Donc, mais du coup, pour répondre à la question de Volt et se recentrer sur le sujet, en vrai, tu sais que je pense vraiment que c'est le genre de petit truc qui est une très bonne idée à instaurer et qui ne leur coûterait pas grand-chose pour des gagnants de tournois. Ouais. Voilà, moi je pense que quand tu gagnes un national ou quand tu gagnes un... Enfin, juste le championnat du monde, tu vois, par exemple. Justement, j'allais y venir, Gab. Sans citer certains jeux, il y a des jeux de cartes qui font ça. Et je trouve que... Alors, sans citer, par exemple, Pierre de Foyer. Dans Pierre de Foyer, ils font ça. Dans Pierre de Foyer, ils faisaient ça. Alors ils le font plus. C'est Hearthstone, monsieur. Dieu. Trois années de suite. Stone. Genre là, c'est... Par exemple, juste tout simplement, le premier champion du monde d'Hearthstone s'appelait Firebat. Ouais. Et il y a une carte qui a été créée, la Firebat. Bon, bref. T'imagines, dans Yu-Gi-Oh! Ça serait incroyable. Mais c'est trop bien, mais par contre, tu viens d'anéantir mes rêves. Parce que avoir une carte à mon effigie, ça me ferait kiffer, mais s'il faut être champion du monde, bon, tu te doutes que déjà. C'est quand même une carte à ton nom. Parce qu'il faut attendre que les tournois reprennent, c'est long, parce que bon, t'as aucun doute que dès que les tournois reprennent, c'est champion du monde instantanément, quoi, Zul. Je dirais rien. Non, mais franchement, no joke, juste avoir une carte à ton nom sur le jeu. Tu m'étonnes pas. Comment ? Zul, il peut très bien faire top 1 si tu pars du bas de la liste. Ok, non, attention à toi, Yori, attention. Yori, il est chaud ce soir là. En vrai, de toute façon, dès l'instant où tu joues à un jeu, peu importe, un jeu vidéo, un jeu de cartes, jeu de société, c'est peut-être différent, mais jeu de cartes ou jeu vidéo, avoir marqué l'histoire du jeu avec une carte, une référence, un clin d'œil personne dans le jeu, c'est le Graal pour les joueurs, quoi, genre... Zul, ouais, le plus connu, notre cher le Leroy Jenkins. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent. C'est vrai, pour World of Warcraft. Incroyable, cette histoire. Il y a aussi, dans Dofus, le premier niveau maximum du jeu, il a eu une statue dans le jeu, à son nom, et un item exclusif que seul lui peut équiper dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a marqué si tu t'appelles pas Rambo PL, tu peux pas le mettre, quoi. Et il y a plein de jeux qui font ça. Et c'est vrai qu'avoir un truc comme ça dans Yu-Gi-Oh! ce serait trop lourd. Et justement, la chronique d'aujourd'hui va un peu parler de ça. Avant tout ça, on va un petit peu introduire le sujet. Il y a eu des concours de Yu-Gi-Oh! de concours de dessin. Alors, qui permettaient en fait à des gens de dessiner des cartes, des personnages, des héros, des créatures, et de potentiellement être sélectionné pour devenir une carte. Je t'invite à mettre Il fallait savoir dessiner de ouf ou pour les illustrateurs. Montre le premier lien. Ok. Montre le premier lien. On va voir. Ah merde, attends, c'est un peu petit. Je vais me débrouiller. T'inquiète. Ouais. Ouais, désolé. T'inquiète. Le Yu-Gi-Oh! Zexal Draw Contest.
Cette carte, qui s'appelle le Tatakawa, le Chevalier Tatakawa, quoi, est une carte qui a été dessinée et qui, du coup, est devenue une vraie carte. Je peux même l'afficher, sur le Soul Runner. Ouais. La carte, c'est, chez nous. Elle n'a pas le même artwork, en vrai. Non, en TCG, elle n'a pas le même artwork, c'est celle-là. Le Tatakawa, du coup, Chevalier, qui est, du coup, une carte qui a été dessinée pour le Zexal Contest. Et il n'y a pas eu qu'un seul Zexal Contest, long, hein. Mais déjà, cette carte a été dessinée. Bah, moi, je la trouve très belle, ok. Elle est classe. Franchement, elle est classe. T'inquiète pas, Gab, on se manquera pas de ton travail. Mais t'imagines, t'es un gamin. C'était moi qui l'avais envoyé à l'époque quand même. Faites gaffe. Non, mais t'es un gamin, tu fais le dessin, t'es trop heureux, quoi. Genre, ouais, ah ouais, non, mais je pense, ouais, je pense. Ouais. En fait, du coup, il me semble que ça remonte à 5Ds, ce genre de concours. Ouais, c'est ça. On va en parler. Et il y a même peut-être même avant, mais je sais plus. Enfin bref, on va. Je vais vous montrer la suite. Et là, ce que je vous propose, c'est que Zul va montrer un dessin et vous allez essayer de deviner la carte qui correspond à ce dessin. Donc c'est pixel avant pixel. C'est les pixels avant les pixels. Le quiz avant le quiz. Donc, ok, Zul, vas-y. Tu peux balancer. Alors. Ok, c'est la belle. C'est Bachi. Ouais, vas-y. Bachi. Bachi. C'est ça. Bah, ouais, en effet, ouais. C'est Bachi. Enfin, Bachi. C'est Bachi. Ah non, ça c'est qu'un seul point, ça. Il a pas dit le nom complet. Ah ouais, c'est con. Quel dommage. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il a juste décidé une abeille. Je savais pas du tout que Konami et Yu-Gi-Oh! Avaient fait des concours. Que Yubel, ouais. Que Yubel, bien sûr, avait fait des concours pour dessiner des cartes. Mais gros, j'aurais envoyé un millier de dessins. Vraiment, je. C'est incroyable, en vrai. Du coup, je t'invite, on va un petit peu balancer les prochaines cartes. Vas-y, balance la prochaine, Zul. Ah bah ouais, bien sûr, elle est connue. Ah, t'as balancé celle-là ? Ok, vas-y. Le Tengu. Non, c'est t'inquiète. Alors, je connais pas les noms, frère, mais je la connais. J'ai déjà. Quelqu'un la connaît, celle-là ? Doté de Tengu, je sais. Ouais, c'est ça. Putain, il est fort. Doté, ça va pas être très drôle de jouer avec. C'est vrai que c'est un peu un jeu de loyal. Je le sais parce qu'en fait, ces cartes-là, justement, elles étaient intégrées après dans des épisodes de l'animé. Et oui, justement, ils présentaient à la fin des épisodes. Mais attends, c'est double champagne, frère. Genre, t'es dans les trois. Hein, les trois monstres qu'on vient de voir étaient des monstres de Yuma, justement. Et tu as même moi, je me souviens d'un morphtronique. C'est l'aspirateur morphtronique aussi, c'est un dessin. Mais ouais, alors lui, je crois que je l'ai pas mis. Ferme-le. Non, mais on en a parlé juste avant. En effet, lui, j'ai pas voulu tout mettre parce qu'il y en a beaucoup. Mais en effet, il y a un morphtronique, celui-là, le nettoyeur morphtronique, qui est aussi une carte qui a été dessinée et qui, du coup, est maintenant une vraie carte et qui était dans l'animé. Du coup, de l'archétype, carrément, morphtronique, c'est incroyable. Il fait peur un peu, lui. Ok, bah vas-y. Peur, ça dépend. C'est un aspirateur, frère, donc ça va en vrai. C'est parce qu'il a peur du ménage. Il a un œil de ouf. Il a peur du ménage, il l'a dit. Vas-y, Mazoul, balance la prochaine, essaie de deviner pour le coup. Alors, la prochaine carte. Oh, est-ce que ce serait pas un Simon ? Joyri, t'arrêtes de jouer. Joyri, tu es ban. Pourtant, les monstres vents. Je sais. Les monstres vents, je connais. Il a même fait les niveaux. Hein. Il a fait les niveaux. Hein. Oh. Ouais. Les monstres. Merde, il a des niveaux. Oh, merde. C'est Simorg vent niveau 4. Non, c'est une carte de Luca. Mais je saurais plus comment elle s'appelle. Je crois. De Luca, mais c'est qui Luca ? C'est le mec dans Final Fantasy. Luca ou Aki ? Je l'ai pas, je l'ai pas. C'est pas le mec, c'est la fille justement. C'est la jumelle. Soit elle, soit Aki. C'est une des deux. Et bah, c'est dans le chat, ils l'ont. Bird of Roses, oiseau de rose. Mais c'était mal dessiné aussi, j'avais pas vu. J'avoue, je suis nul. Pourtant, les monstres vents, normalement, je suis pas mauvais quoi, mais. Et moi, je la trouve très stylée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très stylée cette carte. Bah, moi, je trouve les rincés. Non, les rincés, frère. Si, il y en a encore. Vas-y. J'enchaîne. Il faut dire que moi je fais pas le quiz, alors c'est la seule occasion que j'ai de briller. T'as raison. Mais vas-y, brille mon ami, brille. Ah merde. Allez, brille sur celle-là, là. Oh. Frère. Ok, allez, brille, là. Je m'avoue. Hein. Attendez, la vérité, ça me dit un truc. C'est bizarre. Mytho. Ah, celle-là, j'avoue, me dire. Non. Mais non, si, mais regarde, il y a son nom qui est écrit au-dessus, frère, je peux pas te tromper. Mais oui, t'aurais pu. Il suffit juste de le lire, mec. Je vais pas me tenter à une blague. Ah, attends. Ah, je l'ai pas moi. Alors, je donne un indice. Vas-y. C'est une synchro. Eh ah, oui, c'est le Chaos Archfiend, Chaos Demon King. Enfin, ouais, c'est ça. C'est le roi Archidémon. Demon Chaos King. Chaos. Ouais, jamais vu, frère.
Franchement. Moi aussi, je peux le faire, ça. Chaos Destruction Sword, Knight de la moitié, non. J'ai Demon Chaos Key. Il donne tous les mots-clés de Yu-Gi-Oh! Tu sais. C'est vrai que c'est un peu dur par rapport à ça, mais bon. Ouais, forcément, ils vont pas remettre ce dessin sur la carte, ils l'adaptent quoi. On va pas tu vois, là, c'est pas le même quand même. Je le trouve pas très beau. Autant les autres, je kiffais, tu vois, mais là, bon. Zul Rabajois. Ouais, alors, bah, d'un jeune de 5 ans. Écoute, moi j'ai envoyé des tonnes de dessins, hein. Mais après, j'ai envoyé que des lettres. Tu sais combien de temps j'ai mis à les dessiner, hein. Des hommes. Mais en fait, tous les supports harpies qu'il y a eu dernièrement, c'est Zul qui a envoyé des dessins. Exactement, mon pote. Ah bah... C'est quand je vois la gueule des dessins. Oh putain. Là, tu tires en bazooka. Mais je suis désolé. Tu montes les deux démons KO. Là, tu me montres les deux, je te dis c'est pas possible, il y en a un qui est adopté. Très bien, d'accord. En tout cas, le prochain mec, ouais. Le prochain, je vous avoue que j'étais surpris que ce soit un dessin. Vas-y, balance. Oui. C'est un rouage ancien, ça. Alors bah, là, on le voit pas tout en bas, mais il y a deux monstres. Il y en a un qui est tout en bas, mais on le voit pas là. Ah, c'est un Drilloïd. C'est Drill Warrior et Drill Synchron. Non, c'est Drill Warrior et Drill Synchron. C'est Drilloïd. Exactement. C'est le perceur synchronique. Donc lui. Ah. Et sa synchro qui lui correspond, le guerrier foreur. Oh. Ah. Dans ma tête, c'était vraiment. Ouais, Drilloïd. Ouais, je vois qui tu parles, Drilloïd. Ouais, je vois qui tu parles. Ouais. Regarde, moi j'avais ça. Ouais, non. Non. Bah, tu peux pas comparer. Il y en a un, il est mignon. L'autre, il a. Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre? Mais il a un mirobrille. Moi c'était. Drilloïd, il est chauve. Moi c'était Drilloïd et ça. Dans ma tête. Oh waouh! Est-ce qu'on peut dire que le design est parti en vrille? Oh, bien joué! Allez. Bien joué! Bien joué! Allez, ça arrête donc jamais! Salut à tous! Non, je lui accorde, ça va! Mais par contre, le dessin, je le trouve cool pour le coup, tu vois. Ouais, c'est probablement le plus beau. Et alors, je sais pas s'il en reste un. Alors, j'en ai un dernier. Il va en rester un. Ouais, il en reste un. J'en ai un dernier et je vous l'affiche maintenant. Bah, attends, ça, c'est la magicienne des ténèbres. Trump Witch. Moi aussi, je me suis dit ça au début. C'est la performa pâle qui tuto poli et qui fait poli en zone combat. Il est trop fort en fait, voilà. Pourquoi, mais non, c'est la magicienne des ténèbres, ça. Et bah, Zulu, regarde. Ah. Ah ouais, bah, fait voilà. Comme ça. Et comme je l'avais dit, Trump Witch qui va chercher une polymérisation et fusionne du terrain et. Pas celle qui fait des murs, hein. L'autre. Et bah voilà, ça c'est une carte qui a été du coup créée. Par contre, le dessin beau gosse, hein. En vrai, le dessin est cool, hein. Le dessin est cool. Moi. Il y a une vraie. Il l'a même fait de dos, t'as vu, il l'a fait de dos et tout, enfin incroyable. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai, c'est connu, les cartes Yu-Gi-Oh sont en 3D donc faut bien spécifier. le mec, voilà, c'était très important. Eh, il voulait garder main mise sur son œuvre et pas se faire avoir si jamais il le dessinait trois quarts et qu'on voyait des détails qu'il avait pas dessinés. Voilà, il a voulu c'est tout gérer. En plus récurrente dans l'animé. Et du coup, il y a aussi autre chose, c'est que avec 4Kids, j'ai réussi à retrouver une vidéo où il y a un concours de décembre 2006 où il y a carrément une vidéo de présentation du concours. Du coup, je vous laisse la regarder et vous allez voir, il y a trois cartes qui ont été sélectionnées qui ont gagné. Ok. Tout s'explique alors. Oui. Ce bon, je l'ai déjà vu et je me suis. Ouais. Il est dégueu. Tu veux que je te le montre là? Tu veux que je te le montre vite fait en speed là? Ouais. Tu veux que je le montre en speed là? Regarde comment il est dégueulasse. Mais du coup, tout s'explique. Mais tout s'explique. Et la langue surtout, cette carte, on est d'accord aussi, elle est bizarre, non? J'avoue. Comme quoi, Virlang, tout s'explique. Là, il y a des enfants, ils avaient des traumas, hein. C'est pas possible. Il y en a une dernière. Il y en a une dernière. Attends, vas-y. Drawn by Christian Lin W. Halls, Tennessee. And for ages 13 to 17. What the fuck? Eh ben, c'est lui. C'est qui lui? C'est lui. C'est lui. C'est qui lui? Mais non. Sérieux? Hein? Gros, l'illustrateur, il est visionnaire quand même. Hey. Genre. Il est chaud. Putain, en vrai, lourd, putain, je savais pas du tout qu'il y avait eu des... Franchement, c'est vraiment le genre de truc qui m'aurait chauffé de ouf quand j'étais gamin. Hein. Mais c'est incroyable. Et je trouve que... Enfin, pour le coup, alors, est-ce que tu peux juste remontrer sur la vidéo le dessin de Scratch?
Alors, The Scratch, celui-là. Voilà, lui. Je trouve qu'il est archi bien détaillé. Et attends, c'est lui qui a choisi le nom aussi. Ah, le dessin est cool. Le dessin... Autant bah, la DA, j'imagine que c'est lui. La DA est horrible. J'aime pas du tout le monstre en lui-même, mais l'exécution, elle est là, quoi. Si jamais c'est un gamin... Ah oui, âge 8, ah ouais, 8 de 8 à 10 de 8 à 12, pardon. Ouais, je comprends pas si c'est le gamin qui a entre 8 et 12 ans ou c'est genre... C'était ah non, c'est... Ils ont sélectionné non, en fait c'était des probablement des catégories. Ah, c'est catégories, ouais. Ah oui, c'est catégories de des 8 à 12 ans. Bah, attends, mais un mec de 8 à 12 ans fait ça, il y a un problème, là. Ah oui, là, c'est 13-17, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. 17, ouais. Putain, mais c'est trop long. Ça me fait penser que c'est le genre de choses qu'il pourrait refaire maintenant avec le Rush Duel. Il y a même oh, dans le chat. 8-12 ans, il a mis 4 ans pour faire son dessin. Mais qui sont cons dans le chat. C'est pour ça. En vrai, ce qui ferait trop qu'il refasse la même, quoi. Genre en mode open concours, ouais. Dessiner des trucs. Et puis, ouais, c'est fou. Ouais. Non, nous, de nos jours, on nous fait voter pour des cartes. Vous voulez une magie? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le... Oula, il dénonce. Il dénonce. La carte, elle est quelque part, elle est perdue dans un... On sait pas où. Je vais vous raconter la fin de cette chronique, parce que ce qui m'a poussé à faire cette chronique, c'est l'histoire de Tyler Gressel, je sais pas si je prononce exact. Bien. Voilà, t'as une petite photo d'ailleurs, Zul, tu veux montrer. Bon, après, bon, ouais. C'est juste la photo de Tyler, hein. Vraiment, voilà, c'est lui. J'ai pris la meilleure photo. J'ai pas d'autres photos de lui pour le coup. Tyler Gressel, qui c'est? Tyler Gressel, c'est un mec qui, en 2002, à 14 ans, et qui a été diagnostiqué d'un cancer au foie. Et c'est un cancer forcément qui est très très compliqué à s'en sortir. Heureusement, son médecin a réussi à le sauver. Actuellement, rassurez-vous, il va bien, il est en bonne santé, cool. Tout s'est bien passé, donc ça c'est cool. Mais, un truc incroyable qui lui est arrivé, la fondation Make-A-Wish, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, ouais, c'est une asso qui permet aux enfants malades de faire un souhait, et voilà. Eux ils essaient de réaliser le souhait. Ouais. Et le souhait, ça peut être... Ça peut être quasiment tout et n'importe quoi dans l'idée. Et en fait, Tyler, la fondation Make-A-Wish a été touchée par son histoire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à survivre à un cancer qui est très très grave et très dur à s'en sortir. Et du coup, ils lui ont fait organiser une rencontre avec 4Kids et il a eu le droit d'avoir une carte à son effigie. Il a une carte qui le représente. Tyler, The Great Warrior. Il en existe qu'une seule dans le monde. Il l'a encore. Il a fait un post sur Reddit il y a pas très longtemps. La carte est estimée à peu près, je crois, 75 000 $, un truc du genre. Et c'est la seule qui existe. Elle est exclue TCG, forcément. Et je trouve ça incroyable qu'il ait encore cette carte, surtout. Et... que l'histoire est folle. J'ai des anecdotes. En gros, il a fait. Je crois qu'il a rencontré le dessinateur du manga, je ne me rappelle pas du. Oui, alors il a été invité dans les locaux, il a rencontré les gens de Code de Yu-Gi-Oh! En gros, sur Yu-Gi-Oh! En tout cas, sur Yu-Gi-Oh! Il y a une vraie histoire derrière. Pour le design de sa carte, il avait demandé de mélanger des univers qu'il aimait bien, c'est pour ça qu'il y a des petites connotations à Dragon Ball. Ouais. C'est clairement flagrant. Ouais, c'est clairement ça, cool. Ça, c'est One Piece. Oh putain. Juste entre parenthèses, pour ceux qui veulent voir ce que fait la carte, bon, elle a pas un effet incroyable, mais là voilà. Alors, hop là. En gros, elle peut pas être invoquée SP, et lorsqu'elle détruit un monstre, l'adversaire va perdre des points de vie équivalents à l'attaque du monstre. Et il a le droit de la jouer en tournoi. Ça, c'est du foutage de gueule. Je pense qu'il a le droit de la jouer, oui. En vrai. Je pense pas qu'il ait envie de la sleeve, Zul. Là, le problème, c'est qu'elle est scellée, tu vois. Mais attends, t'es malade, moi, si j'ai une carte à mon nom, mais je la joue tous les jours, gros. Genre Zulu, The Master of RP, gros, directement, bam, attaque directement et terminé, quoi. Ah, je te jure que... Il a une valeur symbolique de ouf, là. Genre, ils lui ont donné, à l'époque où certainement il était peut-être encore malade ou quoi, ils lui ont donné scellé, genre, c'est... Ouais, mais il va se dire, bon, bah, let's go. Tu les changes pas, mais justement, tu la joues. Mais si, mais Gab, arrête, c'est un guerrier, tu fais Isolde. Tu peux faire trading dessus. Moi, franchement, je te jure que je la joue. Alors moi, je suis un bouffon. Hein. Je ne peux pas garder des cartes sous... des trucs sous blister chez moi, machin. Je suis obligé de tout rire. Je suis vraiment, on se dit bouffon, parce que des fois, effectivement, un objet... une vieille display sous blister, tu l'ouvres, c'est plus le même prix.
Mais clairement, moi j'ai une carte à mon nom, mais tous les jours je vais foutre la pâtée au mec du quartier parce que je suis trop content et machin. Quoi. Je suis désolé, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit ta carte, c'est le chauffe de compagnie de Damar Pit. Mais ça me va, gros. Si une carte qui existe, c'est le chauffe de compagnie de Damar Pit. Je signe tout de suite, gros. Je signe tout de suite. Après, il faut qu'il me respecte sur les faits, quand même. Parce que, franchement, avoir une carte à mon effigie, ça me ferait kiffer. Mais par contre, si l'effet est rincé, frère, là, c'est... Là, par contre, tu prends la merde de la médaille. T'imagines dans ton décor, une jeune carte à ton effigie. Oh là là. Oh, ça serait incroyable. Oh là là là, j'avoue. Mais enfin, voilà, c'est donc du coup l'histoire que je voulais vous raconter. Les cartes qui avaient été créées par, bah, par des fans et tout ça. Et je trouve le concept incroyable. Et l'histoire de Tyler, je la trouve super. Donc voilà. Ouais. Eh bah écoute, incroyable. Merci à toi, Volt, pour ces cartes de l'animé, ces concours et tout. Moi, j'aurais kiffé. Je pense que je l'ai répété assez, hein, je pense que vous êtes je pense que vous avez compris, pendant que Yori est rentré dans son micro-ondes. Qu'est-ce qu'il fait, Yori? Reste avec nous. On t'a dit pas dans le micro-ondes, Yori. On t'a dit pas dans le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il est en train de branler encore, celui-ci, là? Genre, il y a une tempête de neige chez lui, là. Il est en Sibérie. Merde. Aïe, Yori, qui se fait... J'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est ça, c'est que dans Radio. On vous présente la nouvelle rareté, mosaïque rare. Regardez, c'est magnifique. C'est la micro. Rare, c'est incroyable. Ah, je l'ai tué. On est parti comme la dernière fois. Je l'ai tué, il est mort. Tout va bien. Reste avec nous encore, Yori. On a encore besoin de toi. Simplement parce que tu vas animer le quiz aujourd'hui. Et j'ai très peur. J'ai très très peur des quiz où je dis vraiment, Yori, non, c'est toi qui anime le quiz. Ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. J'ai très très peur. Mais... ça... De manière générale, d'ailleurs, quand tu blesses carte blanche, t'as toujours un petit peu peur. Oui, on va pas se le cacher, que bon, voilà, je transpire toujours un maximum, mais juste avant le quiz, je vais vous proposer, eh bien, les news, et je vais proposer de commencer tout de suite. On avait évoqué les semaines précédentes les nouveaux Field Centers spéciaux pour les judges, avec, voilà, celui qui m'était attribué, celui qui me revenait de droit, celui de la Harpy Chandler, hein, qui avait été annoncé. Eh bien, il y a d'autres exclusives rewards pour les judges qui ont été annoncés avec le Black Rose Dragon, voilà, qui revient. Celui-là, il est beau. Ah, celui-là, il est beau. Effectivement, il y en a plusieurs. Et qui arrive à point nommé, puisqu'on va bientôt avoir les nouvelles cartes Black Rose, dont l'évolution du Black Rose. Ouais. Dans un mois. Ah oui, il y a vraiment Black Rose. Il est beau. C'est Blood dans King's Dragon. Ou pas du tout? Non, c'est dans Lightning Overdrive. Ah putain, je te l'affiche si tu veux. Ouais. Est-ce que je suis le seul qui trouverait ça stylé de ouf qu'au lieu d'être en plastique, il soit genre, tu sais, un peu plus compact, tu vois, que ce soit un petit peu genre comme vous savez les cartes en tu la joues, tu putain, bah. Non mais genre tu transperces la table, quoi. Que ce soit un peu comme une carte en bois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre pas juste un truc en plastique que tu mets sur le truc plus solide pour que vraiment plus, faire Field Center. Ouais. Pour que ça fasse vraiment objet et tout, que tu le poses, tu vois, et je trouverais ça vraiment super sympa que ce soit pas juste un truc que tu fous sous sleeve, tu sais, qu'il fallait protéger ton truc et tout. Oui, enfin, bon, après, voilà, ce serait intéressant d'avoir un objet plutôt qu'une carte. Voilà, un objet plutôt qu'une carte. Je suis d'accord. Ça stylé de ouf. Ouais, je suis d'accord. Après, perso, les Field Center, pour moi, quand je les ai découverts, c'était des trucs pour séparer mon deck et mon side deck dans ma deck box. Hein. C'est vraiment. On sait que tu as quelques difficultés, Yori. Oh, bah, alors là, c'était à une époque. Un air sombre. On enchaîne avec d'autres Judge Yori, parce qu'il y en a plutôt pas mal. Avec la carte Generator Boss. Donc, c'est Ella qui est sortie. Ça plaira aux fans de Generator. Un deck rang 9 qui jouait bah, VFD et plein de conneries. Encore un petit big up à mon poteau Hugo qui jouait Generator Zexal et qui s'est pris la fameuse banlist Zexal et VFD en même temps. C'est karma là. Il cherche aussi. Il faut se remettre en question de temps en temps. Je pense que ça lui a fait du bien, honnêtement. Je pense vraiment que des choix de vie à remettre en question. J'espère aussi. On va enchaîner avec Dark Lord parce que, il y en a plein. Avec voilà un petit Center Dark Lord, elle aussi, hein. très jolie. J'aime beaucoup le mélange de sombre et de rouge pourpre. C'est le doré ressort super bien avec le côté. Mais vous imaginez ça en noir, genre format carte, tu vois, mais genre une carte en acier, quoi.
Un shuriken, ouais, quoi. Limite. Mais limite. Genre, oh là là, en plus, ça fait office d'arme, mais incroyable. Non, mais sérieusement. En vrai, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Et alors, vous savez que donc j'ai annoncé l'autre jour qu'il y allait avoir les fameux field center pour les harpies. Vous savez que bon bah voilà, j'ai un peu le bras long. On sait la V-Jump 200 qui est le ouais, dragon. T'as envoyé des dessins. Voilà. Vous savez aussi que qui a pas plus tard que la semaine passée, voilà, j'ai fait quand même deuxième au fameux tournoi de Dunkerque avec mon deck Harpie Tri-Brigade. Ni une ni deux. Qu'est-ce qui voilà, le petit bon. Tapis Tri-Brigade et tout. C'est pour moi, c'est cadeau les gars, c'est cadeau. On est encore. Comment? Tu remarques que là il y a un effort, c'est-à-dire que ils nous ont écoutés, parce qu'on a quand même une émission qui touche un petit peu, qui est worldwide quoi. C'est-à-dire exactement. Que tout le monde nous regarde, on a surtout des viewers d'Allemagne, de Polynésie et tout. Non, plus même des chroniqueurs thaïlandais, tout va bien. C'est ça, voilà. Non, mais plus sérieusement, il y a ce truc où en gros, c'est un stream, ils ont pas réglé le problème de on met juste le PNG de la carte. Mais au moins, ils ont fait multiclonage, c'est-à-dire qu'ils ont mis plusieurs PNG. Le tapis non, mais c'est sympa ce que dit Gab, parce qu'ils nous ont écoutés pour ça. Ils ont aussi vu que le Lord des Tri-Brigades, c'était très populaire dans le chat, et donc ils ont voulu, évidemment, apporter quelque chose en plus. Je vois que Radio Yu-Gi-Oh! Est vraiment... en train de se branler en cercle, vraiment. C'est cadeau, c'est... Et après, c'est moi qui ai borderline. Eh ben putain. Tout va bien. Ensuite, on a eu quelques petites infos, et notamment sur des réprimes qui vont être disponibles dans le prochain deck Cyber Strike qui sort cet été, avec notamment Gizmec Orochi et Machine de Duplication qui vont donc se voir rééditer. Gizmec, très 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 bonne carte. Un peu moins jouée en ce moment, c'est vrai, mais bon, elle peut toujours revenir. Et Machine de Duplication qui bon, est quand même une carte qu'on. Qui devrait être ban. Allez. Ah ouais? C'est insupportable cette carte. Non mais parlons-en. C'est normal ou pas? Tu sais que quand c'est l'adversaire. C'est vrai qu'il y a toujours eu de l'abus avec cette carte. L'adversaire active cette carte. Tu as automatiquement perdu, instantanément. Si elle se résout, tu perds la game. Pourquoi ? J'ai jamais gagné une game où je me suis fait résoudre Machine Duplication de ma vie, je pense, honnêtement. C'est vrai ? Et à un bout d'un moment, il faut faire quelque chose, les amis. Mais oui ! Mais pourquoi c'est si fort, Gab ? Explique. Machine Dupli sur Quick Fix ! Ça se fait du deck, t'as besoin que tu fasses un dessin. Oh là, oh. Mais effectivement, il y a des abus où même, en gros... Genre dans Cyberdragon par exemple, tu cibles un Cyberdragon qui a moins de 500, sauf qu'au final, comme il a le nom Cyberdragon, tu spé des vrais Cyberdragons. Bon, après, ça, c'est le truc le moins abusif, mais en règle générale, les targets de Machine de Dupli sont toujours des monstres qui n'ont quasiment aucun sens, quoi. Genre Quick Fix, etc. Et juste spé 2 du deck, oui, c'est très fort, quoi. C'est très fort. C'est dans la au sujet de ces deux rééditions, juste. Nuancer très légèrement, même si je pense que ce sera aussi le cas chez nous, ce sont les rééditions annoncées pour le deck OCG. Il n'est pas exclu qu'on n'ait pas exactement les mêmes. Ceci étant, Machine Dupe, ça paraît assez évident dans un deck Cyber Dragon. Ouais, Machine Dupe. Et ils ont annoncé qu'il y aurait un Gizmec dans le deck de structure TCG. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de penser que ces reprints ne seront pas gardés chez nous. Mais voilà, je précise par rapport à... Non, mais c'est bien nuancé, surtout que c'est le cas assez souvent qu'il y ait des changements. On pense à, par exemple, je crois que c'était dans le structure deck Salamangrette, où il y avait Maxé qui était censé être... Peut-être. Oui, mais il était ban chez nous aussi. Oui, mais voilà, justement, ça avait créé... C'est ça que c'est surtout Evenly qui était dans le deck de structure charmeuse OCG, et chez nous, on a dû avoir Veiler, un truc comme ça. Et donc, en gros, je crois qu'il y avait Maxé qui devait être réédité dans un deck de structure, et ça avait fait un tsunami en TCG parce qu'on était là, putain, on va avoir Maxé réédité dans un deck de structure, est-ce qu'ils vont pas le déban? Du coup, les gens se sont mis à acheter en avance et Maxé, genre de trucs. Bah oui, mais même. C'est pour ça que t'en as 19 en ulti, c'est ça? Allez, Zulu, passons à la prochaine chronique. Ceci dit, d'ailleurs, en fait, il me semble que dans le deck charmeuse au CG, si je me souviens bien, il y avait Evenly et Darkcrawler. Ouais, c'est vrai. Il me semble que c'est ça. Je sais plus si chez nous, du coup, on en a eu. Je sais plus. En fait, ouais, il devait y avoir Evenly. Je crois qu'il y a Darkrawler par contre. Ouais, il y a Ruler. Y a Ruler. Peut-être Darkrawler. Il devait y avoir Evenly, mais il n'y a pas eu Evenly. Je crois qu'il y a Ruler et je crois qu'il y a Trap Strike. Ouais, un truc comme Bon, écoutez, messieurs, on. Oui, j'allais dire oui, peut-être, mais effectivement, on n'est pas sûr. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Vous savez, je vous ai évoqué, je crois, dans le tout premier Radio Yu-Gi-Oh! Pour les vrais qui étaient là.
qui d'ailleurs sur le chat nous regarde aujourd'hui, était là au tout premier Radio Yu-Gi-Oh! sur ma chaîne. Je vous avais parlé d'un... Moi, je sais pas si j'étais là. je vous avais parlé d'un concept des Japonais que les Japonais avaient fait sur Yu-Gi-Oh! Donc Konami Japon, où ils avaient organisé et produit des vidéos pour faire le Duel Royal, toute une série. Oui, et bien sachez que Duel Royal continue sur la chaîne Konami Japon. Je vous montre d'ailleurs un petit extrait et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. What the fuck? La coupe est magnifique, mais regardez-moi cette petite boîte, cette petite mallette, pardon, que vous pouvez ouvrir et vous retrouvez donc les decks de Duel Royal. Ils s'en servent donc, ils s'en servent d'ailleurs donc dans les émissions. Pour pouvoir choisir les decks, etc. Mais surtout, ils ont annoncé un concours pour faire gagner cette mallette. Et j'avoue que je me fais un petit peu mousser. J'avoue que ça me fait un petit peu plaisir parce que je trouve que le concept de Duel Royal, c'est clairement quelque chose qui se rapproche beaucoup de Club Yu-Gi-Oh! Moi aussi, j'avais une mallette dans Club Yu-Gi-Oh! Non, je suis en train de faire des tonnes. Je suis en train d'en faire des tonnes. Mais en tout cas... L'Amérique. Regardez bien cette mallette, parce qu'elle est à gagner. Zulu en haut à gauche, c'est ça. Un PNG de Zulu en haut à gauche. Regardez bien cette mallette, simplement parce qu'elle est à gagner sur. Si t'enlèves la mousse dans la valise, après t'as un PNG de Zulu au fond. Ils ont mis Club Yu-Gi-Oh! All droit réserved. C'est exactement. Yu-Gi-Oh! Club, juste. Yu-Gi-Oh! Club, exactement. Exactement. Donc ces mallettes sont à gagner sur les réseaux. Il y a un jeu concours qui permet de prédire le vainqueur du tournoi que vous avez vu avec la magnifique coupe du pot de dualité. Et vous allez pouvoir... Cupidité. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Dualité. J'ai dit dualité. Non, pot de cupidité, bien sûr. Et du coup, vous allez pouvoir gagner ça. C'est plutôt pas mal. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils ont annoncé aussi... sous une date très proche qui est du 10 juillet 2021 en OCG, attention, une box Duel Royal où vous allez pouvoir choper tapis et les decks. Et je trouve que c'est 20 sur 20. Je trouve que là, ce qu'ils font Konami Japon avec la production de Duel Royal, c'est qui... vrai tapis je veux dire, c'est pas un truc en papier, je ne sais pas. Bah, je pense, par contre, Féro, tu vois la boîte, comment elle est, c'est 100% de la papasserie. Pendant qu'on a une belle rareté dans cette boîte. Non, mais c'est bon. J'ai bien compris que tu voulais que je m'entraîne à voir à travers mes lunettes pour la semaine prochaine. si c'est comme ça que je vais voir, bah déjà excusez, on est passé en mode Canal+. Tout va bien, Non, mais je tiens à dire. On s'est pas abonné à Joyeux, on peut pas voir. Je tiens à dire, les gars, Volt nous a quand même dit en voyant les mallettes, ah bah je suis un peu déçu, c'est des mallettes. Oui. Non, mais... oui, bah, ce sont des mallettes, oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'avoue que bah, comment expliquer ça ? C'est des mallettes. J'aurais bien aimé, genre, peut-être un truc un peu plus Yu-Gi-esque. Je sais pas ce que je veux dire. Bah, ouais, mallette, c'est connoté Yu-Gi. En vrai, mallette pour transporter son deck, c'est quand même Kaiba. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'en ai créé une pour Club Yu-Gi-Oh, quoi. Donc moi, ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait des mallettes. Tu voulais qu'ils te mettent ça dans quoi ? Non, mais je voulais une mallette, mais je voulais que la mallette soit plus stylée, genre je sais pas, une mallette parce que là, pas juste mallette noire, quoi. Le fait qu'elle soit un peu vintage, ça te dérange, c'est ça ? C'est le côté vintage je la trouve assez basique, hein. C'est qu'elle est... Quelqu'un qui dit dans le chat, Yuri, c'est la ghost que Volt n'a pas eu mercredi. Oh, quel bâtard ! Oh, ça spoil en plus pour les gens qui ont pas vu. La vie, les gars, je l'ai lu et je me suis dit, je vais pas le dire parce que c'est hardcore. Quel bâtard. Hardcore, vous êtes des ouf, le chat. Mais alors, ça tombe parce que j'avais. Non, mais c'est terrible. C'est le fait qu'elle soit vintage que ça. Bah, non, c'est pas ça. En fait, c'est une mallette noire, en fait, pour moi. C'est. Genre, je sais pas. Quand tu vois ça, je me dis pas, il y a les decks de Yu-Gi-Oh! Dedans. Bon, alors j'avoue, vas-y, je vais prendre le parti de Volt sur le fait que dans les missions, elles sont bien plus stylées parce qu'il y a le contexte et tout que posées sur la table de ta salle à manger, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, bah, mais faut bon, l'ouvrir, après, faut l'ouvrir pour qu'elle ait un style. Après, mais... tu te ramènes avec ça en tournoi, c'est quand même un peu la classe. Ouais. Après, franchement non. Alors moi je te prends pour un fou. Est-ce que et là je pense que du coup c'est pas le cas, mais est-ce que c'est un tirage spécial des cartes et du coup c'est
t'as 40 x 4 cartes uniques. T'imagines, t'imagines le prix du truc? Non, je pense que juste c'est des decks. Non, mais par contre, il y a moyen que ce soit des cartes anciennes et tout. Mais franchement, c'est un objet. Enfin, bah, si vraiment vous pouvez participer et tout, participez quoi. S'il y a un gagnant français, c'est juste incroyable, ce serait drôle. On a les decklists. Hein. Oui, les decklists, elles existent d'ailleurs, je vous l'annonce. Je vais copier les listes pour faire des duels dans Club Yu-Gi-Oh! Ouais. Faire une émission spéciale duel royal. Il y a des cartes en x2, ouais, des cartes en x3. Oui, est-ce qu'on a les extensions, Yoeri? Est-ce qu'on a les extensions? Ou est-ce que l'extension, c'est duel royal 1, duel royal 2, duel royal 3? C'est ça que vous Ah, on n'a pas l'extension, mais non, mais ça sera très sorti. Si, ça aura son nom à soi, oui, ça aura son nom d'extension. Bah, c'est un truc de fou. C'est un set particulier. C'est deck Dark Magician, deck Blue Eyes et deck Gearfleet. Oui, donc, pour vous, là, c'est pas n'importe quel Dark Magician, oui. C'est le Dark Magician du duel royal, quoi. Oui, bah, ça m'étonne. Ils vont pas te refiler des trucs d'autres. Hein. T'inquiète pas, dès qu'il y a des sets à chaque fois, c'est bien numéroté, c'est bien classé et tout. Oh, comment ils tiennent leur carte. Par contre, c'est vraiment. C'est, les raretés, par contre, c'est commune, super et ultra. Hein. C'est pas. Faut pas croire. Hein. Oui, bon, après, c'est toujours du bonus, quoi. C'est toujours du bonus. Oh, le Nota. Vol qui nous refait les bruitages. En vrai, moi, je suis vraiment fan de ce concept. Je sais, je l'ai déjà dit, mais voilà. Je trouve que. Moi, par contre, tenir sa main comme ça, c'est assassin. Ah oui, ça, c'est clair. Mais allier une production de qualité pour un event, du merchandising et un concours pour gagner un objet exclusif, je trouve que franchement, c'est pas loin d'un sans faute pour moi. On peut toujours améliorer les trucs. Moi, je trouve que c'est bien senti. Je tiens à mettre en avant, Féro, le fait que pour une fois, ces événements-là ne sont pas réservés aux gens chauves. Parce qu'il y avait clairement un favoritisme. Un favoritisme apparent. Bon, pour une fois. Il y en a un des deux, là, il est pas loin. Mais, si, là, je regarde la vidéo. Ils sont trois. Les mains. Ils jouent pas à Yu-Gi-Oh! Hein. C'est du Scrabble ou du qui est-ce? C'est du domino là. Ils jouent au Mahjong. Ils jouent au Mahjong. Oh, il y a eu un pot de cupidité qui était résolu. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir, mais je voulais juste vous en parler parce que voilà, joli concours et joli case OCG, donc la Royal. La OCG Duel Royal Box. C'est vrai que nous, en TCG, on a eu la Speed Duel Box qui était donc une. Un truc un peu rétro, machin, où on pouvait vraiment retrouver des cartes de Batailleville et tout. Eux, ils ont ça. Bon, j'avoue, je suis un peu jaloux de ce truc aussi. Mais mine de rien, c'est plutôt pas mal. Hey, Zul, nous, on a eu une pub magnifique. On a pu tous montrer nos talents d'acteur. Alors, je te signale que... Je te rappelle que j'avais Covid au fond de mon lit. Et j'avais bien le seum de pas participer à la seule pub Yu-Gi-Oh! Française, gros. J'avais le seum, j'avais le démon. C'est la vie, J'avoue, c'est cool. Mais c'est tout, c'est comme ça. Hey, un truc qui va vous réjouir, les gars. Parce qu'il y a The Red Fuji. Est-ce que vous connaissez The Red Fuji? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le Fuji rouge. Un indice, c'est un crack. De qui je parle? Eh bien, je parle. Oh, je sais. Ah, c'est un truc Twitter. Ouais, je parle du Twitter. C'est un mec qui a fait Boot Sector en 3D. Non. Parce que là, il y a un truc qui a tourné. Vas-y, Yuri, on t'écoute. L'émission. Oui, si. Le Boot Sector. Oui. Attends, je vais. Il a aussi fait une autre carte Rocket. Jerry, une autre carte Rocket traceur, je crois, non? Il te troll là, mais c'est normal. Il y a vraiment eu un truc. Oh, mais c'est terrible. Yuri, ne te laisse pas faire. Moi je vais le retrouver. Yuri, sache que. T'inquiète pas. The Red Fuji n'a pas fait de Boot Sector et je ne parle pas de lui pour ça. Et Gab le sait. Je vais te retrouver. Et c'est pour ça qu'il est mort de rire. Mais merci à toi, Yuri, pas de problème. Pourquoi je vous parle de The Red Fuji? Simplement parce que c'est un crack qui a fait les stats du quiz de Radio Yu-Gi-Oh! Avec... Ah, on s'en fout de ça. attendez. Oh, temps mort là. Ouais. Pourquoi j'ai une photo éclatée de Wham alors que Gab et Zul sont trop stylés et genre, ça je veux bien t'expliquer, mais tu vas être déçu.
Tu fais très bien le poisson, en tout cas. En tout cas, les stats donc, qui nous sont proposés, il y a la moyenne de points générés dans les participations, avec même la moyenne dans les descriptions de cartes, dans les questions, dans les pixels. Donc, on peut voir un peu les points forts de chaque participant. Ah, on voit que je suis pas mal dans les descriptions. Et dans le pixel, c'est moi qui ai les meilleures moyennes. Moi, après, j'ai que 3 participations. Ça va vite, hein. Vite, moi, je tiens à dire quand même que pour moi, la stat la plus importante, elle n'est pas mise en évidence, c'est le win rate. On n'a pas le win rate. Le win c'est rate, vrai. On l'a en dessous du nom, en fait. Donc, vous pouvez le voir. Effectivement, Doc, il est à 2 sur 3. Zul, 1 sur 3. Moi, je n'arrive pas à lire d'ici. 5 sur 14, toi. 5 sur 14. Yu-Yu, 1 sur 3. Volt, 3 sur 40. 3 sur 12. N'importe quoi, c'est marqué sur 12. Si, 3 sur 40, c'est ça, Volt. Ouais, d'accord. Voilà, c'est juste 18ème. Ok. Très bien. Bon, alors, par contre, à noter hein, la participation de la team Dunkerque qui a 0 victoire, toute personne confondue. Aïe. Bon, ils ont participé qu'une seule fois à chaque fois. Et moi, j'ai donc, t'es pas dans la team Dunkerque? Hein? Allô? Ah ouais, Allô, ici Monsieur Van Bruggel à l'appareil. Non, non, c'est vrai que j'ai mis moi 3 participations avant d'avoir ma première victoire, vous le savez. Non, mais en tout cas, c'est pas mal Soé, hein. 3, moyenne 3 points, meilleur score 3 points. Donc c'est-à-dire qu'on est sur. J'avoue que le fameux fossile Soé, bon, on repassera, hein, mon poteau. C'est vrai que les stats, elles sont pas ouf. Par contre, le braquage, il est là, c'est Vince. Une participation, une victoire, 10 de moyenne, meilleur score 10. Ouais, mais il y a un astérisque, il y a un astérisque quiz fait sur mesure. Excusez-moi. Aïe, Colin, une participation, deux victoires, c'est plutôt pas. Une même participation, si deux victoires. Ah ouais. Non, l'inverse. Une participation, deux victoires. Il est fou. L'inverse. Stantry, 7 de moyenne. Élève correct, tu vois, j'ai envie de mettre sur Stantry. Et Youbel, pareil. C'est Youbel, il a le même stade que moi. Un peu meilleur dans le top score. En tout cas, Gab qui a pour l'instant le record de points. C'est vrai, c'est moi. 14 points. Non. 14 c'est points stylé, pour ouais. Le meilleur score, c'est plutôt pas mal quoi. Zul, est-ce que je peux quand même défendre mon honneur? J'ai mis je t'ai mis le lien. Va regarder ce que c'est. C'est un truc de fou. Alors. C'est ça, c'est Boot Sector Lunch, c'est ça, non? C'est Boot Sector. Il a retrouvé son truc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'ai retrouvé, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui a refait le modèle 3D de la carte Book Sector, c'est ça? Passe après. C'est pour faire des glaçons? Non, c'est pour. C'est pour envoyer ses roquettes sur l'ennemi plus facilement, ses monstres roquettes en fait. C'est quoi? Tu veux m'expliquer? Le résultat est moche, je suis désolé. C'est juste la carte en 3D. Ouais. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui a reproduit le truc et je trouve ça vraiment honnêtement, c'est une très bonne idée. C'est joli et tout. Ça peut être des idées pour Konami d'ailleurs. Ça peut être des idées pour Konami de faire des sortes de figurines quand même un peu. Voilà, peut-être bien faites et tout. Parce que là, pour moi, le souci principal, c'est que bon, le résultat n'est pas très très beau. Après, il a fait certainement avec les moyens du bord, mais moi, je ne suis pas contre. Moi, c'est même pas tant le problème. Bon, la peinture a pas l'air tant aboutie après la photo et pas très bonne qualité, mais c'est plutôt. Pourquoi c'est l'idée, moi, faire une figurine 3D d'une carte qui. C'est un cylindre avec. Enfin, tu vois, c'est. De toutes les cartes que tu aurais pu faire, pourquoi Boot Sector? Ouais, voilà, c'est alors, ça. Moi, je trouve ça plus intéressant de faire des trucs inanimés que des monstres, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais il y a d'autres trucs. Genre, en vrai, il aurait pu faire. En vrai, tu vois, là, je trouve que c'est déjà plus mais intéressant. Wesh, qui a chopé une photo de gribouille? C'est une photo de mon chien, wesh. Ça, c'est. Voilà, monde des tours, c'est lourd. C'est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Ça, c'est lourd. Ça c'est lourd, mais ouais, pourquoi Boot Sector? On a la réponse maintenant, grâce à toi Yori, je tiens à te remercier. On bon, a allez. La réponse, vous, mais justement Yori, dans quelques instants, ça va être énervé. À nous d'avoir la réponse. Parce oh que ça là va être là là là. Je n'aurai aucune pitié, vous m'avez chauffé, vous allez le regretter. Eh bien écoute Yori, on te laisse la main, c'est à toi de présenter le quiz. Yori, j'ai très très peur. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? La classique, j'imagine, mais certainement des trucs très fous. Le classico. J'ai une petite surprise, mais vous verrez. C'est vrai. Donc nous allons commencer évidemment par, comme d'habitude, 5 cartes à faire deviner, puis quelques questions qui seront soit au buzzer, soit à l'ardoise, et ensuite évidemment les pixels, hein, que tout le monde
adore, bien sûr. Ah bah ouais, c'est... On peut faire vite fait un test buzzer, Yoris, s'il te plaît. Eh ben, je vais buzzer. Voilà, j'ai pas de son, mais... Je n'ai pas de son non plus. Hop là, c'est pas grave. Je vais buzzer. Hop, on t'entend. Ça marche. Et Gab. Voilà, ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, Yori, tu nous hostes le quiz. Cette fois-ci, tu l'avais déjà hosté une fois. Qui avait gagné quand t'avais hosté? Donc, question du coup. En vrai, je sais même plus. C'était Gab, je crois. C'était Gab. Oh. Donc, c'était Gab. Alors oui, attendez, que je précise pour les gens qui viennent d'arriver. Le bonnet de bain et les lunettes, ce sera la semaine prochaine. Est-ce que tu les as pas reçus? Durant toute l'émission, précise. Non, mais moi, je lui accorde ce délai. Il y avait un jour férié. Mais hier, c'était férié. C'est terrible, les mecs. Zoul, moi, je propose que s'il finit dernier aujourd'hui, il le porte aussi durant sa chronique. C'est bon ou pas? Oh, allez, ouais, moi j'aime. Par contre, ouais, si je gagne le quiz, ouais, ah, m'accompagne ouais dans mon périple. Vas-y. Ok. C'est chaud. Allez, okay, allez. Okay. Zoul, okay, quand même, tu n'as rien à. Toi, tu perds rien, quoi. De quoi? Non, bah, pas. Bah, non, tu perds rien. Toi, tu participes pas au pari. Bah, si, s'il gagne, gros, je mets les lunettes et le bonnet. Ah là, là, ça va être chaud. Vas-y, on l'empêche de gagner. Let's go. Tout va bien. Joëri, MP les réponses. Ouais. T'inquiète, j'ai pris une question d'un de tes comptes. T'inquiète. Alors, Yuri, on t'écoute. Gab, c'est vraiment un vrai bro, quoi. Ouais. Allez. Allez, let's go. Alors, première carte à faire deviner. Nous cherchons un monstre. Nous cherchons un monstre qui est de niveau 10. Un monstre qui a 4000 de défense et qui doit être invoqué avec... Obélisque tourmenteur. Bonne réponse, Vol, c'est bien. Mais non, mais Mais moi aussi, je peux donner des réponses au pif. On avait pas assez. Mais non, 4000 de défense, qui est niveau 10, ça n'a pas 36 000, hein. Bah si. Ah bon? Bah si, en vrai, il y a Uria, Raviel et les Zouaves. Enfin, en vrai, il y en a plusieurs. Non, non. Pas Uria, tu confonds. Ouais, mais Raviel. Raviel, il a 4000. Raviel, il a 4000. Attention à toi, Yori. Ça commence très bien. Tout va bien. Alors, passons évidemment à la deuxième carte. Vas-y. Alors là, nous allons chercher également un monstre. Un monstre qui est sur la banlist actuellement. Eh oui, un monstre banni. Un monstre... Bon, je pourrais dire... C'est un monstre qui, visuellement, n'a pas vraiment d'étoiles. Même s'il en a un peu, quand même. C'est un monstre qui a le nom d'une série dans son nom. C'est également un monstre qui va gagner 1000 points d'attaque et de défense pour chaque matériel X6 qui lui est. Bah, c'est Xan. Oh putain, il est fort. Bonne réponse, hein, il est chaud ce soir. Putain, ouais. Pourquoi on a parié ce truc? En fait, c'est le. C'est le nom d'une série, en fait. Je me dis, attends, mais il y a un problème. Eh ben oui. Bah, trop fort. Tu l'as pas affiché? Tu peux l'afficher? Oh, pardon, excuse-moi. Ouais, il m'a perdu, il a commencé à me raconter des histoires d'étoiles, parce qu'il y a des étoiles dans l'arbre. Eh ben oui, il a pas d'étoiles. Oui, les étoiles, je comprenais pas non plus, ouais, je comprenais pas non plus les étoiles. Mais après, ah bah, j'allais pas commencer par l'indice le plus simple, hein. Ah, bien joué, Yuri, bien joué. En fait, je réfléchissais au synchro sans étoiles, là. Non, moi aussi. On va chercher un autre monstre, encore. Eh oui, pas mal de monstres ce soir. C'est un monstre fusion qui va demander deux matériels. Ça va être un monstre dragon lumière qui vraiment. Alors, c'est le dragon à deux têtes. C'est le dragon. Dragon du tonnerre à deux têtes. Dragon du tonnerre à deux têtes. Non, c'est pas ça, les gars. C'est un monstre, alors visuellement sur son artwork, il y a vraiment ces deux matériels fusion. Genre, vraiment, l'artwork, c'est les deux ensemble. C'est un monstre qui va gagner. C'est pas le duo. C'est pas le dragon blanc aux yeux bleus fusion, là, il n'y a pas un duo de dragon blanc aux yeux bleus? Il y a une chance sur deux. Ok, à mon tour, le même, mais version Cyber Dragon. Non. Oh, ok, on peut rebuzzer. Ok. C'est un monstre. Le même, qui... mais version Thunder Dragon. Non, mais les gars. Il vient de le dire. Laissez-moi continuer. Cette carte gagne 500 d'attaque. Ok, le même. Insupportable. Cette carte qui gagne 500 d'attaque pour chaque monstre dragon que l'on contrôle, sauf lui-même. Quoi ? C'est un monstre de niveau 12 qui a
5000 d'attaque, 5000 de défense. Enfin, il va être dragon. Mais arrêtez, mais arrêtez. Non. Alors, c'est le chevalier maître des dragons. Bonne réponse, yes. Mais c'est quoi ces cartes? Bah quand même, on n'est pas sur une carte obscure. Le chevalier fucking maître des dragons. Attends, mais t'as pas parlé de 5 têtes là? T'as pas parlé de 5 têtes? Pas du tout. Eh? J'ai dit il y a deux matériels fusion. Toi tu me sors Ah ouais, non mais moi j'ai entendu 5 têtes, hein, je sais pas. On a tous des petits soucis. Prochain monstre, allez. On cherche un monstre qui a passé du temps sur la banliste ce coup-ci. C'est un petit monstre qui a... C'est Firewall Dragon. Ouais, il a dit un petit monstre, c'est pas possible, mais... Il a essayé de m'avoir par les sentiments, je le comprends. À moi ça. C'est ça pas. C'est ça. C'est pas Firewall, non. Ah, merde. C'est pas Firewall. Sangan. Non. Oh, quoi? On s'en aurait pu. C'est un monstre qui est donc sorti de la banliste. Que Val qui va buzzer. Grâce à un errata. C'est un monstre haut de niveau 1 qui a 300 d'attaque et 250 de défense. Je l'ai pas, les gars. Il s'agit d'un monstre reptile. Dis-moi qu'on peut rebuzzer. Volt, vraiment, il stole tout. J'en sais rien, les autres peuvent buzzer, allez-y. Je sais pas, vraiment. Ok, laisse-moi. Oh l'enfoiré. Voilà. Yes, j'ai la main. C'est le serpent sinistre. Oui. Ah, ça aurait pu, Zulu. Ça aurait pu. Parce que c'est la bonne réponse. Quel bâtard. Serpent sinistre. Elle est belle. Cette fameuse carte qui... qui était jouée d'ailleurs en God Format, une des cartes les plus importantes du God Format. Une des plus connues du God Format. Et qui a pas mal marqué le jeu, qui a passé du coup son temps sur la balise et qui n'a pu sortir que grâce à son errata. Dernière carte. Alors on va chercher une. Merde, pardon, excuse-moi. Non, bah vas-y, donne ta réponse. Donne ta réponse. Misclic, pardon. Tu peux changer peut-être le voir les yeux. Dernière carte. Alors on va chercher une carte qui est liée à un lore, déjà. Ah! C'est pas une carte random, c'est une carte qui a un lore. C'est une carte magie. Une carte magie qui fait partie d'ailleurs d'un mini archétype, hein, d'un petit archétype de carte magie. C'est une carte qui peut être activée en envoyant d'autres cartes au cimetière. Et qui va permettre d'annuler des effets de monstres, ainsi que de diviser leur attaque par deux. Droplette. Oh, elle est belle. Et c'est Droplette. Elle est belle. Tout à fait, il s'agit de Gouttelette de l'Interdit, qui est bien évidemment partie de tout le lore de l'Interdit. Volt. J'avais pas du tout. Non, mais après, je t'expliquerai un jour le lore qui l'entoure. je pense que ça t'intéressera. D'accord. On va faire ça alors. Alors, on va faire le petit bilan sur les scores. Vous avez tous un petit peu scoré. Hein. Bon, Gab est un petit peu derrière, mais d'un seul point, ça se rattrape. Et Volt et Zou sont vraiment au coude à coude. Hein. Ils sont prêts à en découdre. La guerre. Avec maintenant la partie question. On va commencer avec une première question. Attends, faut que je les retrouve. Première question, question buzzer. Quel monstre Kuribo se trouve sur la tête de Gab? Quoi? Quel monstre Kuribo, je déconne pas, quel monstre Kuribo est inspiré du dragon ailé de rat? Le dragon ailé level 10? Non! Gros Kuribo. Le Kuribo LV12. Non. C'est le sphère Kuribo. Ah ouais? C'est tout à fait ça. Ah bah oui, mais bien sûr! Merde, Kuribo! Oh, mais bien sûr! Tu peux l'afficher! Oh là là! Tu peux l'afficher! Parce qu'effectivement, c'est totalement en fait le rat mode sphère. Hein, bien sûr. J'ai même pas fait gaffe! Oui, même dire, trop bien. Eh oui! Il fallait regarder ma vidéo, Volt. aucune pitié! Ah ouais! Deuxième question. Alors cette fois-ci, vous allez me la faire à l'ardoise. Ok. La deuxième question, il va falloir me donner un nombre, et c'est évidemment au plus proche.
le plus proche va gagner. Combien y a-t-il en TCG de monstres liens codeurs bavards? Pourquoi? Mais moi... J'ai combien de temps? Bah, tape, et on verra. Codeur bavard? Faut qu'il bavard? Ouais, bah, ah bah c'est dans la question, regarde. Un monstre lien code talker. Ok. Combien il y en a en TCG? Alors, Zul, va falloir changer hein, ce que t'as écrit, parce que... Ah ouais? Ouais, je crois. Attends, c'est les monstres liens qu'on cherche? Les monstres liens. Des monstres liens. Ah, liens? Oh putain. Oh putain. C'est ça. Ouais, j'en sais rien. Après, tous les monstres code talker sont vraiment tous des monstres liens, mais c'est pour être bien clair. Après, il n'y a pas non plus tant que ça, faut abuser, non? Il n'y a pas tant que ça, mais est-ce qu'il y en a? On va y aller, non? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on affiche les réponses? Affichons les réponses. Zul, tu nous dis 14, Gap, tu nous dis 5. Ah, je suis entre les deux, ça me va, moi. Et Vol, tu nous dis 9. Eh bien, je vous propose de les passer en revue très vite. Il y a l'alien 2. Déjà, nous avons des codes. Ouais. Encode, Xcode. J'ai oublié en code. Transcode, Powercode, Access okay. Code. Code. Donc ça, ce sont les 6 attributs des IA de Link 3. Ensuite, nous avons le décodeur bavard étendu. Oui ah, je l'ai pas eu. Nous avons les vérités. Il y a bavard dans le... Il a bavard, Access Code. Oh merde. Bah oui, il a bavard. Bah bien sûr. Nous avons l'Access Code et nous avons le codeur bavard ainsi que le codeur bavard à l'envers. Ouais, ça fait 10 ça nous fait donc un total de 10 monstres. C'est donc... eh bien, c'est donc Volt qui est le plus proche avec son 9. Oh, bien joué, mais... Sachant que le seul que nous n'avons pas, c'est celui-ci. C'est le Hit Soul que nous n'avons pas encore en TCG, c'est le seul qu'on n'a pas. Oh, il est beau. Il est trop fort dans sa lame. Ah bon? Qui est un mélange, en fait, de Decode et de Hit Lio. Okay. Ah. Ensuite, passons à la question suivante. Ça, c'est serré les scores aujourd'hui. Ce sera une question au buzzer. Comment s'appelle... La non, magie... mais vas-y! Non, ah, mais vas-y! Attends, la vie de ma mère, je vous promets, j'ai pas non, touché! T'inquiète, continue. C'est pas, ce soir, c'est pas Vol, c'est Lucky lui. Mais attends, mais je veux dire, elle est possédée, cette souris, c'est terrible! T'inquiète, continue. C'est ça, bien sûr. C'est la faute à la manette, on connaît. Alors, comment s'appelle la magie de terrain qui supporte les monstres gémeaux? Champ catalyseur! Et c'est une bonne réponse! Oh quoi? Gros! Il a... Pas mal. L'afficher Zulu, c'est le champ catalyseur, la magie de terrain, qui est sorti bah, dans Invasion de la Vengeance, je crois. Oh, j'ai jamais connu ça. J'ai quelques années. Incroyable. Ensuite. Ah, celle-là, vous allez me la faire à. Ah, oui, non, celle-là, on l'a fait au buzzer. C'est après qu'on fera la buzzer. Une question que j'ai pris du Discord, donc du membre le forgeur de monde, carrément. Arrête, gros. Non, c'est pas lui, t'inquiète. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi. T'inquiète, c'est pas lui. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi qui clique. T'inquiète, Volt. T'inquiète, je sais, on a un problème, t'inquiète. Il fera peur chez lui, c'est pas possible. T'inquiète. Mais Nice Running Gag. Ta carte Ghost qui est littéralement en fantôme chez toi, je pense. C'est ça. Alors, vas-y, Yuri. Au buzzer, vous pouvez, je vous rappelle, poster vos questions sur le Discord de Zulu. Je fais le tri, j'en choisis et elles passent évidemment dans le quiz. Des 6 attributs principaux, vous les connaissez bien sûr, hein, eau, vent, feu, terre, lumière, ténèbres. De ces 6 attributs principaux, lequel est absent de l'archétype Mayakashi? C'est vent. C'est faux. Merde. C'est lumière. Faux. C'est une bonne réponse. Oh, ah, voilà. Sérieux. Ouais. Il est chaud. Je connais bien sûr parfaitement l'archétype Mayakashi. C'est faux. Ah ouais, bah c'est sûr. On trouve de tous les attributs sauf de ça. Et oui. Ok. C'est parce que c'est des zombies. On va. Ce sont des zombies, ouais. Tout à fait. Alors, on va repasser sur une petite question ardoise. Yes. Et celle-là, je l'aime bien. Est-ce que vous serez capable de me citer les 3 dragons de la barrière de glace? Oh oui. Leurs 3 noms. 3 dragons
Il y a trois dragons de la barrière de glace, je veux que vous me donniez les trois noms. Oh, c'est le moment où j'ai un trou de mémoire. J'enlève mon casque, je veux plus vous entendre. Merde, il me manque un. Mais Zoul ! Oh là là. Je sais pas s'il s'appelle comme ça le troisième, j'ai un peu... Ah putain, pour moi... Oh, on n'a pas assez de place. Si, bon, bah si, bien sûr que si. Non, la ville, non. Bon. Je vois ce que t'as écrit, Gab, je comprends ce que t'as voulu écrire. Ok. Donc, si tu veux fixer ta réponse là-dessus, ça va pas passer. Ah, là, les la autres, bonne réponse, pas la bonne réponse, on va réfléchir. Attends. Oh, oh, comment il s'appelle ? Alterba. Je sais plus comment il s'écrit, l'autre, là, le dernier, là. Allez, va falloir y aller, les gars. Allez. Bon, on va dire... Franchement, vous comprenez, je pense que vous avez compris si j'écris comme ça, je sais pas si c'est... 3, 2, 1... Eh, hey, il a 2700 d'attaque, il a 2700 d'attaque, par contre. C'est ça. Non, ça, c'est pas... Ça il a 2700 d'attaque, gros. Tu m'auras pas là-dessus. Tu m'auras pas là-dessus. On va se les faire, du coup. On va les afficher, évidemment. Alors, par contre, moi, c'est absolument pas ma vraie réponse hein, qui est affichée. On a effectivement un problème technique, mais pas de soucis. Quoi ? Non, t'inquiète. Non, j'ai mis Trishula, Donovan et Fifou, parce que j'avais pas les bonnes réponses. Mais je sais pas pourquoi ça me met Trishula, ça. Trishula, mais... Brunek et Gungir, du côté de... Oh non, Dieu, ça y est, le Blizzard. Ça y est, le Blizzard. Donc le premier, c'est bien Brionac, revenu récemment avec Amerata. Le deuxième, non, on va dire le troisième, parce que le troisième, et là, vous le connaissiez, c'est Trishula, bien évidemment. Et du coup, c'était quoi l'autre ? Mais c'est le gros, là, en rouge. C'est Gungir. Oui. Et c'est Gungir. Effectivement. Il n'a pas de lucette, en fait. Il n'y a rien qui va, en fait. Donc, on va donner le point à Volt, parce que c'est le seul qui a quand même eu clairement bien sûr, les bien idées sûr. Au bon endroit. Alors, où est-ce que nous en sommes, là ? 4-4-2. Il va falloir que tu te rattrapes, hein. Enfin, que tu te rattrapes. Tu vois, 4-4-2, allez, on va enchaîner maintenant avec une question au buzzer, une question animée Duel Monsters. Bah, j'ai perdu. Quelle carte, normalement possédée par Joey, Yugi garde-t-il avec lui durant Batailleville ? Alors, c'est le dragon noir aux yeux rouges. Et c'est une bonne réponse. Yes ! Je pensais même pas à lui. Je pensais au super au début. Tu penses à quoi ? Il est parti très très loin. Bah, tu sais, il a une carte dans Yugi, je pense que c'est Joey qui l'a. Ah, le guerrier Rocket. C'est un Rocket et c'est un petit guerrier. Ouais, le guerrier Rocket. Bout de secteur launch. C'est un message. Il y a Gab qui est en train de hacker ma cam là, c'est. Ça tout suffit les bêtises là. Ah, mais ce live il est possédé aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Ah, oui, non, mais complètement. Il y a tout qui déconne, c'est incroyable. Bon, allez, la dernière question, je l'aime bien. On va la faire à l'ardoise parce que ça va être un QCM. Mm-hmm. Et vous allez voir, je suis assez content. Qui de Zulu, Xari, Doc Seven ou Jiraya a gagné le tout premier duel du tout premier club Yu-Gi-Oh ? Mais Zulu, il va le savoir, ça gros ah, c'est pas dit, hein. Ça remonte. Ah, moi, alors, je suis désolé, Zulu, hein. Je te kiffe, hein, mais j'ai pas regardé. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est qui, c'est qui les propales, pardon, excuse-moi. Xari, Jiraya et Zulu. Ils ont pas les steaks de Watt, frère. C'est Xari, Zulu, Jiraya et Doc. Moi, je pense que j'ai la bonne réponse. Ah, ouais, Doc, je pense aussi. Je me rappelle parce que moi, j'ai surtout l'extrait. Oh, ouais. Ah, bah, je sais, il y a un truc avec une veste. Allez, je fais au hasard. 3. Je l'ai casé sur le dossier. Tu vas pouvoir le mettre après. Je me base sur le talent des joueurs. Non, mais qu'est-ce que... Oh non, ok. Ok, bon, alors je vais expliquer pour les gens. J'ai effectivement leaké le lien du quiz et des malins ont trouvé ce lien et s'amusent à écrire des conneries. J'ai effectivement pas écrit ça, bien sûr. J'ai écrit... Non, je confirme, ça vient de changer. Hein. J'ai écrit... J'ai les yeux dessus. Xari. Je sais pas quelle est ta réponse, toi, Volt. Le Xav, j'ai dit. Moi. Et Gab ? Moi, j'ai mis Jiraya. Et t'as mis Jiraya. Et la réponse était ? Et la réponse était, bah, est-ce que tu veux qu'on regarde ? J'ai mis le lien, si tu veux l'afficher. Le timecode, bien sûr. Alors... Je pense qu'il y en a qui va être surpris dans le chat, parce que... Mec, déjà, moi, j'ai suivi les numérotations sur la chaîne. Déjà, je me suis dit, première émission,
Club Yu-Gi-Oh, est-ce que j'avais invité Doc? Et si j'avais invité Doc, est-ce que j'ai préféré présenter ou est-ce que j'ai préféré jouer? Donc la question était, qui a gagné le premier duel de Club Yu-Gi-Oh? Et la réponse est... Moi, je pense que toi et Doc, vous commentiez. En dire, c'est Doc contre Xari. Ah, c'était Doc et Xav. Doc contre Xari, 8000 points de vie pour Doc, 4800 pour Xari. Je suis pas sûr que Doc soit dans une bonne situation. Ah, ouais. Hein. Ah, et le là, il nous explique. Ah, le il banquier. A un banquier équipé. Bon, je pense que Doc a perdu, lol. Et voilà. Eh bien, bravo. Et Doc qui se fait one shot littéralement. MDR. Dans sa première apparition, alors qu'il a mené tout le duel. Et Xari qui débarque juste avec un Benkei complètement buffé. Et voilà. Les decks un peu forts. Nostalgie, voilà. Les decks un peu forts qu'on a fixés. Et Jiraya. Oh putain, ma petite tête quoi. Et bien tout ça, messieurs. Non, Zulu, t'es bien là. Tu mènes. Je sais plus, t'as déjà gagné. Je suis le seul à gagner le point. Bah non, j'ai eu Xari aussi. Non, t'as mis Xari aussi. Il y a, ouais, Xari aussi pour. Oui, j'ai déjà gagné un quiz. Jiraya n'y était même pas. J'ai déjà gagné un quiz. Doc, il dira, je suis un bro depuis le début, c'est vrai. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer par les pixels, là où tout peut se jouer. Ça marche. Puisque, première image, on remarque 3 points. Deuxième image, 2 points. Ensuite, c'est 1 point. Et si vous ne trouvez pas le nom de la carte, mais vous la décrivez, peu importe le stade, vous avez 1 point. Allez, vas-y, à boule ! À boule ! Allez, commençons tout de suite par la première carte. Ouais, déjà comme ça direct cash. Première... Ouais, j'étais pas j'étais pas chaud. Je suis pas dans le mood là, j'avoue. Ah bah, il faut se chauffer. Needle Fiber. Non. Oh, franchement, j'ai cru aussi. J'avoue. En fait, c'est quoi les pixels bleus en bas à droite? Ouais, c'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est ça, ouais. Non, je vais pas buzzer moi. Ah, vous me dites quand on passe au suivant. Vas-y, gère le rythme. Let's go. Clayman, à bout le point. Oh, mais oui, à boule le point. C'est lui sur lui. Oh là là, les gars, vous ne pouvez rien faire contre moi, putain. Waouh. Ah, c'est 2 points en plus. Oh là là là. Ah, c'est 2 points. Ah, c'est 2 points. Allez, il est bon. Oh là là. Allez, continuons. Continuons sur la prochaine option, celle-ci. Oh, je te jure, ça me dit un truc. Vas-y, gros, je suis obligé. Jérémini. Il va le faire à chaque fois. La vérité. Il va le faire à chaque fois. C'est pas Chirubini. C'est Winda. Quoi? Non. Ah, c'est Tatum Shadow, j'avoue. J'ai pas appuyé. Ok, c'est pas grave. Vas-y, Bah, si tu sais pas, on passe. Ouais. Let's go. Oh putain. Celle-là, elle est pas mal. Oh, je vais la trouver. Prochain pixel, je la trouve. Ça, c'est sûr. Là, tout de suite, là, j'ai un doute, mais. Ah, ouais, c'est Anna qui est dans le chat. Il me semble pas. Attends, je vais aller voir le chat. Non, je l'aurais pas dit. Non. Mais je rigole. Vas-y, on peut hein. À partir de maintenant, c'est 1 point. Iratix Sphere, on est sérieux, putain de merde. Oh, oui. Bah oui. C'était tellement le running gag la semaine passée, enfin mercredi. Je vois cette carte tous les jours, putain. J'avoue que le début. Et je joue cette carte tous les jours, putain, je suis pas fichu de la trouver, j'en ai marre. Eh bien, 8-5-3. Ah, c'est dommage. Allez, continuons avec le troisième pixel. Des couleurs un petit peu intéressantes. Hein. Je suis vraiment devenu nul au pixel, hein, c'est terrible. Non, mais vas-y, mais c'est Chirubini, les frères. Chirubini. Arrête. Si c'est ça, moi. Deuxième image. Hein. Ouais. Let's go. Deuxième image. L'aurez-vous. Elle, en tout cas, elle a des couleurs, frère. J'ai envie de dire la nouvelle Shadow Ney. Non. Alors... Il y a du bleu, non, mais c'est pas... le bleu est bizarre. Non, il aurait pas mis 2 cartes du même live. Tu sais pas ça. Tu sais pas. T'aurais pas mis ça. Ice Dragon's Prison. Non. Non, le bleu est bizarre, c'est trop bizarre. Ça n'est pas ça. Bon, vas-y. Bah, on va passer à 1 point, hein. C'est pas la Link des Kissikil, la bleue et rose, là? Non. Des quoi? Des Kissikil? Pourquoi il y a de l'orange? Pourquoi il y a de l'orange? Bah, il y a une Link 2, là, où il y a une meuf rose et une meuf bleue, donc... C'est pas une Link, mais ouais. C'est un monstre à effet, quand il y a les deux. Ah, c'est un monstre à effet? Ok, bon. Pourquoi il y a de l'orange? Je comprends pas. Ouais, l'orange. Ah, tu comprends, hein. Avance, t'auras la réponse, hein. Prochain.
Bah, transcode. J'adore ce genre de réaction. Transcode. Eh oui, c'est bien en transcode. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il est orange. Ouais. Parce que c'est le codeur Terre. Voilà. Vous savez que là, je suis en train de d'essayer de me remettre dans la course. Aïe, 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 aïe. Alors, où sont les points, scores, du coup là, si je fais des très bons scores, j'ai 4. Ah, il va falloir préchauffer. Ouais, pardon. Est-ce que tu peux buzzer Volt, s'il te plaît? Ok, non, je voulais être sûr parce que, en fait, au moment où vous avez buzzé, j'ai essayé de buzzer aussi. Sauf que j'ai appuyé sur mon bouton reset des buzzers et non sur mon bouton buzzer. Et je voulais être sûr que le son que j'ai entendu était bien le son du buzzer de Gab qui a pris la main et qui a donné la bonne réponse. Mais bravo, okay. C'est le cas. Bon, allez, ok, on enchaîne. On continue. On il en reste combien? Ah bah, il va falloir que je clutch l'une des deux de toute façon. Je l'ai mis, ah non? Ah ouais. Hop. La carte magique War Dragon. Dragard de Risa du monde. Oh putain, c'était vraiment bien tenté. C'est Come by the Grave. C'est non, faux. Non. Ça n'est pas ça. Oh, je l'ai. Gros, Gab, je le dis, trouve là parce que derrière c'est le point. Bah, c'est les deux points pour moi. Seconde. Gros, attention, il y a de l'enjeu là. Il y a de l'enjeu. C'est pas possible, il est là. Mais comment il est là? Chien. Pour moi, c'est une magie. Je suis tellement Dragard, putain. Non, mais par contre, Zul, il me stresse. C'est bon, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Bon bah, deuxième. Hein. Non mais je l'ai pas non plus, c'était juste pour se mettre la pression. Quoi? Oh, oh, mais... Pourquoi il a un guerrier? Quoi? Un guerrier? Ok, c'est un guerrier tard, magnétique là, hein. Je sais pas, je tente un guerrier magnétique? Non. Ok. Ce n'est pas du tout un guerrier magnétique. On dirait avec les piles en bas. Volt, Zul, une idée peut-être? C'est Heraclinos, bête guerrier, bête gladiateur. Mais pas du tout. Non. Oh, non. Gab, il est au bord de la mort. Je sais pas qui me disait. Pas du tout. C'est bon, ça. Bah, prochaine étape. C'est bon, vous êtes. Non, c'est pas possible. Ok, je tente. Bonsoir. Oh, je l'ai. Dragon Buster? Non, je l'ai. Non. C'est le dragon hiératique X6. Oh. C'est faux. Volt, je pars en buzzer, d'accord. Non. Bah, vous avez tous buzzé, alors on est obligé de passer au suivant. De toute façon, c'est le suivant. La BLS, c'est un point. Ah bah ouais, mais il a la main au moment où... Bah, il a... Est-ce que c'est vraiment la BLS? Tu l'avais avant, Volt. Tu l'avais avant, de toute façon. Pour moi, je vous promets que c'est ce que je voulais dire avant. Y'a pas de problème. Juste la prochaine fois, pour que ce soit clair... Il faut que c'est à toi, Yori, de passer au suivant. Ouais. Et à nous de buzzer. Et ensuite, ouais. Okay. Et donc, BLS Link, et c'est la bonne réponse. Oh, quel bâtard. Quel bâtard. T'as mis combien de points? Un, du coup? Ou deux? Un seul. Un seul point. Oh, ça se joue, là, vous allez vous taper. Hein. Écoute, on va voir. Bon, Gab, il est déjà perdu dans les limbes, ouais, le pauvre. Moi, c'est terminé. Il va porter le bonnet, hein. Il va porter attends. C'est pas ça, la règle. Ah ouais, attends, Volt, t'es obligé de faire un 3 points. C'est la dernière, après? Ouais. Ça veut dire si je fais 3 points. Attendez, si je fais 3 points, il est dernier. Et s'il est dernier, oui. Il porte son bonnet. Ok, on est d'accord. Et non, mais là, si je fais 3 points. Ah, Gab, quand on est tous en bonnet de bain, et là, je parle plus. Vas-y, je suis chaud là. Bon, allez. Ouais, en plus, il est fort quand même. Il avait jamais vu cette rareté de sa vie. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Eh ben, écoute, dernière carte. Est-ce que vous êtes tous prêts? C'est parti. Faut enlever. Faux départ. Et tu l'as pas. Chaos tu l'as Max. Tu l'as pas. Non. Oh merde. Tu l'as pas. Je l'ai. Tu l'as pas. C'est quoi? Tu l'as pas. C'est bleu. C'est blanc bleu. C'est de la glace. C'est Brionnak. Oh, tu l'as pas. Brionnak. Tu l'as pas. Oh, c'est l'oiseau qui berne, non? Attends, ouais, moi je fais Zul. Bien sûr, j'en sais rien. Attends, l'oiseau qui berne, Zul. L'oiseau qui berne. Le piaf qui burn en flip. Non, c'est pas lui. Okay. Non, il est plus foncé, violet. Okay. Je vais dire, sans aucune conviction, aucune, je vais dire Oumi. Non, vous en passez à la prochaine étape. Pour 2 points, faut jouer pour 2 points. C'est le dragon blanc aux yeux bleus. J'en sais rien. Volk a très envie de porter son bonnet, on le rappelle. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je te jure qu'il me dit un truc. Vide ma mère, je te jure qu'il. Vide ma grand-mère, il me dit un truc. On dirait Trichoula en vrai, les gars. Ouais, je crois que c'est Trichoula en plus.
Si c'était Trishula, alors j'ai dit Brionnak. C'est Trishula. Si c'était Trish, alors j'ai dit Brionnak, putain. C'est Trishula, gros, c'est Trishula, c'est sûr. C'est sûr, c'est Trishula. C'est sûr, c'est Trishula. Ouais, c'est possible. Par contre, il y a quand même 3 triches, voire même 4. Et 4 triches, du coup. Ah, des versions de Trishula. Non, mais attends, bah c'est le Trishula. Il y a plusieurs versions. Ah, il y a plusieurs versions de Trishula. Le Trishula. Le Trishula synchro version 1. Mais oui, c'est ça, pour... c'est ça. L'original, c'est... l'original. C'est le premier, Trishula. Putain, mais j'ai dit Brionnak, j'ai trop le sens, c'est ça, putain. Mais moi, je pense que c'est pas du tout le Trishula, du coup. Je pense que c'est pas le Trishula. Ça n'est pas Trishula, dragon de la barre de glace. Moi, je pense qu'il se fout de notre gueule, c'est aucun Trishula, il se fout de notre gueule. Je peux buzzer ou pas? Tu peux pas, faut pas buzzer, next image. Bah là, on passe, next image, hein, c'est parti. C'est le Trishula à trois têtes. La fusion. Ah ouais, là. Ils ont tous trois. Ah bah, c'est la fusion, ouais. J'ai rattrapé parce que là. Trishula 3 têtes, oui, mais ils ont tous 3 têtes, donc... C'est fou. J'étais à ça, j'ai dit Brionnak, putain. C'était la deuxième image, hein. Ou la troisième. J'avais la bonne réflexion, là, c'est l'eau, putain, j'ai... 9 points. Alors, c'est ouais, bon, bah, aucun gage en plus. Et ouais, les gars. Non, mais il y avait un gage si tu perdais, je crois, Gab. On avait dit au début... Non, par contre, non, c'est une micro-app. Non, mais c'est tout. Non, c'était si je gagnais le quiz, Ah, c'est si tu gagnais. Ouais, c'est ça, donc non. Bon bah écoutez. Terrible. Écoutez, terrible. Messieurs, j'avoue que vous êtes bien battus, mais bon, après. Waouh, wow, voilà, j'augmente mon win rate. Clément, il est trop fort, Clément. Clément, ouais, il est beau, j'avoue. Merci. Merci à toi, Yori, d'avoir organisé ce quiz. Tu nous as régalé. Je rappelle que vous pouvez participer à l'écriture de ce quiz en venant sur mon Discord. Il y a une section exprès pour pouvoir proposer vos questions qui sont donc checkées par Yori et appliquées dans le quiz. Si on utilise une de vos questions, vous êtes cité. Oui. Vas-y. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui posent des questions assez difficiles. N'oubliez pas qu'ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu la plupart des animés ou alors ils s'en souviennent pas. Donc j'ai vu certaines questions qui auraient été très bien, sauf que je peux pas les passer parce que c'est trop dur. Donc c'est quand même plutôt dans le simple. C'est quoi le genre de questions que t'as le plus besoin? Les questions en rapport avec les cartes, les questions en rapport de l'anime. Honnêtement, ça peut être tout. Hein. Ici sur le live, tu mets juste un MP, je te fais les questions que tu veux. Mais c'est pas bien de prendre les secondaires qui font les questions, N'oubliez pas quand même que la semaine dernière, je crois, ils ont quand même galéré sur combien il y a de types de cartes pièges. Donc, on n'a pas galéré, d'accord. Yori, est-ce que... Alors, le full est-ce, tilt. Est-ce que dans ces moments-là, tu te régales, tu te délectes chez toi, quoi? Je te vois bien. Je sors le popcorn. Je te vois bien le lundi matin chez toi, parce que toi, tu regardes la rediff le lendemain, avec tes cornflakes dans ton lait, en train de pouffer de rire et éclabousser ton écran de lait. Ouais, exactement. J'ai l'image en plus, je suis un peu plus propre que ça. LDR, ils ont dit rituel alors que c'était synchronique. En tout cas, il faut savoir que je rigole comme ça. On est d'accord. En tout cas, merci à vous, les gars, d'avoir participé à cette nouvelle émission, je dirais la 15e, si je dis pas de bêtises, de Radio Yu-Gi-Oh! Je rappelle que c'est chaque dimanche à 20h30 sur ma chaîne Twitch. Un grand merci à Yori qui aujourd'hui a écrit le quiz. Je rappelle que et a écrit une belle chronique d'ailleurs sur les cartes de l'animé. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Yori Sama. Ça parle de règles, ça parle de trivia et ça parle de plein de choses assez cool. Une vidéo en préparation peut-être, Yori? Eh bien écoute, là en ce moment c'est un peu calme, mais je prépare un nouveau petit concept qui pourra peut-être aborder des points de ruling dans des vidéos un peu plus courtes. Il est un peu plus ciblé, genre paf, tel point, une vidéo. D'accord. Un peu dans ce style-là. C'est en préparation, c'est en écriture. Eh bien, écoute, voilà, le message est passé. Vous pouvez retrouver Volt sur sa chaîne Twitch, Volt, ou sur sa chaîne YouTube, Revolt. Peut-être une petite vidéo, peut-être sympathique, que tu as envie de promouvoir, Volt. On t'écoute. Ah, tu me prends un peu au dépourvu. Non, bah, j'avoue que moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire mes reports de tournois. Parce que je suis pas forcément le joueur le plus compétitif, mais j'aime bien montrer aux gens mon avancée dans les tournois et du coup je présente pas mal de petits trucs à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit tour. Eh ben écoute, le message est passé. Et toi, Gab, t'as une chaîne YouTube, mais t'es surtout, j'ai envie de dire, en live Twitch, non? Je me trompe? C'est quoi un peu les rendez-vous? Tu fais les deux? En vrai, je fais les deux, mais
C'est vrai, je pense qu'on est un peu tous dans la situation où les vidéos YouTube en ce moment c'est un peu plus compliqué, moins de contenu, moins de machin, on est entre, on y a les retards des projets et tout, malgré tout il y a des choses qui sortent. Non non, venez quand vous avez le temps, quand vous avez envie. Ah bah, moi je crois que, alors c'est très particulier, mais en ce moment j'ai créé une chaîne secondaire donc de replay. Je crois que j'ai jamais sorti autant de vidéos de toute ma vie sur YouTube. Donc, ouais. Donc vous pouvez aller checker les deux chaînes. Vous pouvez aller checker donc Gab sur sa chaîne Twitch, Gabe Yu-Gi-Oh, enfin YGO, pardon, Gabe YGO, donc Yu-Gi-Oh, et Gab Yu-Gi-Oh sur YouTube. Merci à vous les copains. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, dimanche 20h30, pour un nouvel épisode de Radio Yu-Gi-Oh. Peut-être une troisième victoire pour moi, je ne sais pas. On verra. Makuba, c'est l'heure de se dire au revoir. Au revoir.